Bonjour, bienvenue à l'épisode 3 de OpenLayer. Donc pour cette semaine, j'ai reçu Jean-Thomas Baillargeon, un étudiant au doctorat en informatique avec qui j'ai la chance de travailler. Donc on a beaucoup parlé ensemble des patrons de conception d'informatique, un petit peu moins de profondeur dans le machine learning, de son parcours, comment il est arrivé à beaucoup plus s'identifier comme un analyste des données ou un data scientist, si on veut, avant que ça soit vraiment le gros buzzword, puis comment ça l'a amené à finalement orienter plus sa carrière vers l'enseignement, ben en fait, un désir de faire l'enseignement plutôt, puis vers le machine learning. Comme je l'ai dit, on a beaucoup parlé quand même d'informatique et de patron de conception, de génie logiciel beaucoup. Donc pour ceux qui sont peut-être pas au courant, c'est quoi? On en parle un peu plus à la fin aussi, là, justement, des lectures qui pourraient être faites, qui sont du moins des espèces de doctrines en génie logiciel sur comment, quel genre de solution appliquer à ce type de problème dans un ensemble, qui sont pour nous des sujets qu'on discute quand même beaucoup ensemble quand on collabore. On est allé un peu moins, comme j'ai dit, en profondeur aussi du machine learning, étant donné qu'on a plus parlé de choses qu'on parle souvent ensemble. Donc, Jean-Thomas, c'est quand même quelqu'un avec qui je me tiens beaucoup, que du moins je fais qu'on se connaît bien. Donc, on est allé dans ce sens-là. Pour mes prochains invités, là, je sais que ça fait déjà deux invités que j'ai plus académiques et dont deux justement qui ont un background en actuariat. Donc, c'est sûr que j'ai commencé par des gens autour de moi que je connais mieux et je vais tenter d'aller vers justement des secteurs là, un peu plus différents pour les prochains. Puis j'ai essayé de le faire plus court cette fois-ci, puis je vais essayer de continuer à aller dans ce sens-là, de rester autour d'une heure. Comme je dis, si vous avez d'autres commentaires, gênez-vous pas, j'en ai commencé à en recevoir. C'est vraiment intéressant aussi de voir vos avis, puis qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous aimez que je rajoute. Puis j'aimerais encore une fois remercier mes partenaires, donc le SPLA, l'Allier et l'Agile, puis DotLayer aussi, qui est finalement l'organisme que moi et d'autres collègues on tente de créer, qu'on a créé pour rejoindre la communauté autour. Donc vous avez sûrement vu passer des événements qu'on fait comme donc Meetup Machine Learning Québec, que fait sur notre page Facebook. Donc ça s'agit de petites soirées où est-ce qu'on discute en temps sur le machine learning avec des professionnels souvent associés à une thématique. Le prochain d'ailleurs qui est déjà annoncé là, le 7 novembre avec Mirego. Donc faites-vous la flèche Facebook pour avoir plus de nouvelles de ça. Donc je vous encourage aussi à. Je vous incite plutôt à liker la page Facebook de, comme je disais, Meetup et de nous suivre sur futur YouTube. Puis bonne écoute. Tu veux jaser un peu avant ou tu commences tout de suite? Je suis bien prêt là. T'es-tu intimidé? Non. Non? T'es sûr? T'es prête? Ah, je suis prête. T'es le maître, JT le maître. Je suis très Ok, alright, bon, on va commencer tout de suite. Une petite gorgée d'eau. Fait qu'aujourd'hui, je reçois Jean-Thomas, Allô? qui t'a fait ton bac en actuariat, maîtrise en actu aussi, puis là, tu fais ton doc en informatique plus machine learning, c'est ça? Exact. Alright, J'ai alright. aussi une petite coupure entre le bac et la maîtrise, que j'allais travailler sur le marché du travail. Ouais. C'est quand même pertinent, c'est le fun. Oui, on va en parler aussi parce que tu as travaillé pas mal en actuariat, puis après ça, tu as transféré pour Xperci. Ouais, exact. Puis, t'as-tu fait autre chose aussi ou c'est pas mal ça? Pas mal ça. Pas mal J'ai ça? été consultant en informatique aussi en même temps. Ouais, on en parlait ça aussi pour Québec Nat. Ouais, exact. C'est ça, ouais. Moi, je suis pas content de te recevoir parce que c'est un peu la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est à cause que tu m'as influencé à faire la maîtrise, puis que là, je suis rendu en machine learning, parce que sinon, je serais pas ici. On va pas parler de tout ça, puis de ton influence et de ton gourou. De toi, le gourou. Gourou GT, là, il va pas nous parler du machine learning. Commençons par le début, mettons. Là, t'as commencé le bac. Pourquoi t'es allé, mettons, faire un bac en actu, puis qu'après ça, tu t'es ramassé à retrouver à faire du machine learning? C'est quoi qui t'en est à peu près à faire ce parcours-là? En fait, à base, j'ai fait actu parce qu'il n'y a pas de physique dans ce programme-là à l'université. J'ai hésité comme genre génie chimique puis actu. Ah ouais, il n'y avait pas de physique à l'université à Il ce n'y avait temps-là? pas de physique pour rentrer en... T'as pas de physique en actu, là. Ah, oh, que je comprends ce que tu... Ok, tu voulais pas faire de la Je voulais physique. pas faire de la C'est physique. ça, ok, j'avais compris l'inverse, que tu voulais vraiment faire de la physique, mais qu'il n'y avait pas de bac, puis t'étais comme décollisse-moi la physique finalement, c'est Ouais, ça. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, un des grands choix qui a été fait, c'est est-ce qu'il y a de la physique dans ton programme? Si c'est oui, je ne vais pas dans ton programme. Fait que, tu sais, rester actu, fait que ça me semblait fair, tu sais. Mais tu connaissais pas vraiment ça. Ben, je pense qu'il n'y a personne, même en actuariat, qui sait vraiment c'est quoi jusqu'à temps qu'il commence à rentrer sur le marché du travail. Fait que non, je ne savais pas c'était quoi vraiment. À part que tu sais que t'es un expert du risque. Ouais. Qu'est-ce Est-ce que t'as le goût du risque, là, que mettons, là? ça? Ouais, c'est ça, là. Ouais. I guess, là, mais. Ouais, c'est ça, mais j'avais beaucoup d'amis au cégep, là, qui allaient en actu, fait qu'on s'est comme tout suivi, puis c'était quand même le fun, Ok. là. T'as-tu quand même été ton expérience? Du Ouais. bac, du moins? Oui, c'était super le fun, là. Je veux dire, c'est un challenge intellectuel, puis quand tu vas en actuariat, je suis pas sûr, tu vas juste là pour l'amour des notes pures, là, tu sais, tu vas là parce que
tu sais qu'il y a du monde qui rush pour faire ça, puis que tu dis, ben, s'il y a du monde qui rush, moi aussi je suis capable de le faire, là, puis je vais y arriver. Là. Fait que, tu sais, c'est un défi autant personnel que qu'intellectuel. OK. Puis là, d'un coup, tu as fini ton bac, tu es rentré sur le marché du travail Industrielle Alliance. Exactement. Tu as travaillé quoi, 8 ans, me semble? 7, ouais. 7 ans, 8 ans, tu as fait tes examens pendant ce temps-là. Ouais, exact, exact. Là, mettons, qu'est-ce qui est arrivé qui a fait le déclic, tu as dit fuck ça, puis je m'en vais faire ailleurs. Tu sais, c'est quand même un emploi assez bien rémunéré, puis là, tu as juste dit fuck ça, je m'en vais faire autre chose. Ouais. Ben, en fait, je te dirais, quand moi j'avais été engagé initialement à l'Indus, il y avait un boss qui m'avait pris sous son aile, puis c'était vraiment du développement de logiciels informatiques pour actuaires. Fait que, tu sais, c'était vraiment là, la belle programmation assez à haut niveau. Ah, Excel. On faisait du VB.net, on OK, travaillait avec plein OK. des affaires. C'était funky là, ce qu'on faisait là. OK, c'était pas juste les méthodes classiques de genre t'as un chiffre Excel de Non, 10 000 non, lignes non. par 20 000 colonnes puis fait quelque chose là. Exact, c'est ça. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que les premières années, c'était super trippant, j'apprenais pas mal. Puis à un moment donné, il y a eu un changement dans l'équipe, là, vraiment un changement de paradigme grave là, à l'Industrielle Alliance. Puis ça coïncide assez avec comme tout ce qui est la crise économique, là, c'est 2008, OK. 2010-ish, où les taux d'intérêt étaient super bas, puis tout le monde était sa grosse pression. Fait que tout ce qui était du développement ou t'sais, voir en avant, mais disons que ça s'est vraiment Ouais, le arrêté. ROI drop pas mal, fait que là t'es comme t'investis pas Ouais. trop là-dedans là. C'est ça. Puis là, ben, je me suis ramassé à un job traditionnel d'actuaire, fichier Excel, run des macros, puis crosse-toi, arrange-toi avec des bases de données Excel, fais du copier-paste. Crosse-toi avec des bases de données Excel, c'était correct si là, Ouais, c'est t'sais. ça. Mais pour vrai, c'était ça pareil, tu sais. Puis moi, dans ma tête, je n'étais pas rentré pour faire du copier-coller, là. T'sais, je voulais faire du développement funky. Fait que là, ça commençait à tirer un peu de la patte. Fait que là, je commençais à changer de place à l'industrie. J'étais dans le fond, c'est moi qui s'occupais du tout ce qui était pas l'asset liability management, mais tu sais, d'un point de vue actuariel, c'est moi qui s'occupais genre de l'appariement des passifs et des actifs, finalement. OK. Et de valider est-ce que Mettons, l'appariement était comment bon. tu définirais l'appariement passif-actif, mettons, pour en parler un peu, là, Bon, si en deux lignes? on va simplifier le plus possible, là, dans le fond, dans une compagnie d'assurance vie, tu as des paiements qui vont être futurs. Quand le monde va mourir, ben, va falloir que tu les payes. Sauf qu'ils mourront peut-être pas dans la prochaine année, puis ils vont sûrement mourir sur à peu près 30 ans. OK, fait Fait que dans le fond, tout ton portefeuille que tu as aujourd'hui, mais dans le fond, c'est des cash flows futurs à peu près étalés sur 30 ans. Fait que toi, ce que tu fais, c'est de t'assurer que les actifs que tu achètes, mettons des obligations, des actions ou whatever, les produits dérivés, vont faire en sorte que tes cash flows qui vont rentrer vont égaler le cash flow qui sort. Fait que c'est de l'appariement. Sauf que quand tu essaies d'apparier des cash flows qui sont loin, loin dans le temps, il n'y a pas d'actifs financiers. Fait que là, il faut vraiment que tu joues un peu avec tes stratégies d'investissement. Est-ce que tu devras acheter peut-être plus d'immeubles, peut-être plus de X, Y, Z, qui fait en sorte que ton portefeuille va supporter tes engagements actuariels. Fait OK. que moi, au niveau actuariel, ce que je faisais, c'était pas, j'achetais pas les actifs, mais je faisais juste valider est-ce que ce qu'on a, ça supporte bien. OK, fait que c'est-tu des modèles de prédiction, des affaires comme ça? Ah, c'est une belle macro-com, là. Tu fais une projection de cash flow, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu as des règles gouvernementales. Tu sais, c'est l'AMF qui dit, ben, si tu veux vérifier que ton actif soit suffisant, ben, il y a une méthode classique, ben, là, c'est peut-être plus en cours, mais ça s'appelait la méthode canadienne axée sur le bilan. Tu avais tes actifs, tu les projetais selon 10 taux de scénario d'intérêt de réinvestissement, puis c'était ça. Tu sais, il n'y avait pas de modèle prédictif. OK. C'était basé sur carrément un. Genre de règle du pouce, là, puis multiplie fois 4, multiplie fois 5 à la fin tes réserves ou Tu peux combien tu as voir une affaire besoin. comme ça, là, mais Genre, tu as une marge. T'as une c'est marge très à... prescrit, là. C'est ça, tu as une margin finalement qui est comme trois fois la valeur de ce que tu aurais besoin nécessairement pour être sûr d'être safe, tu sais. Tu peux le voir comme ça. OK. Fait que ça m'a pas vraiment plu, là. C'est le fun, par exemple, tu sais, quand tu rentres dans le detail là, vraiment profond, là, c'est vraiment intéressant de voir comment tous les morceaux bougent ensemble. Tu sais, c'est le fun, là, quand même, l'actuariat. Sauf que dans le day-to-day, c'est quand t'as un boss y en haut de toi qui veut genre un chiffre et qui s'en fout. Ben, c'est comme un peu plus plate, tu sais, puis comment je dirais bien ça? Ça laissait pas la place à explorer aussi loin que je voulais. OK. Puis toi, c'est pas mal ça que tu recherchais, de pouvoir arriver et dire, hey, moi, j'ai goût d'essayer ça, puis de gosser un peu là-dedans, voir si ça pourrait être meilleur, plus intéressant. Là. Ouais. Puis tu OK. sais, améliorer les choses, pas nécessairement tout le temps quelque chose qui est important ou pertinent dans le day-to-day d'une compagnie. Fait que je suis peut-être tombé à la mauvaise place au mauvais moment, dans la mauvaise équipe, là, finalement. OK. Fait que là, j'ai commencé à essayer de bouger un peu à l'Indus, puis là, me ramasser vraiment à des places un peu plus olé-olé. Fait que j'ai quitté vraiment ce qui était l'apparemment passif, actif-passif, pour me ramasser dans toute la revue des processus. Fait que vraiment, comment, à l'intérieur du département d'actuariat, comment qu'on pouvait faire pour mieux agencer tous les processus ensemble. Fait que j'ai fait pas mal de lean management, comment tu maps des processus, voir s'il y a des pertes, c'est comment tu fais pour assurer de maximiser tout le temps de tout le monde, mais maximiser le bonheur aussi de tout le monde. T'sais, c'est pas juste parce qu'il travaille plus fort, c'est juste travaille mieux. Fait que c'était vraiment dans cette optique-là. Fait que j'ai peut-être fait un genre de 2 ans là-dedans.
Mais encore là, j'étais peut-être un peu peut-être pas avant mon temps, mais disons que l'ouverture n'était pas très très forte là. Il n'y avait pas beaucoup de réceptivité, mettons. Dans le département ou auprès des directeurs? Les deux. Les deux? Ben, OK. les deux, tu sais, c'est très top-bottom, là, tu sais, si le directeur n'est pas d'accord avec quelque chose, souvent le département aussi. Ouais. OK. Fait que, tu sais, je te dirais que l'industriel aurait aimé ça, avoir plus de lignes, mais tu sais, il y avait quelque... à un moment donné, ça bloquait quelque part, puis c'était carrément dans les unités où ce que, tu sais, il y avait un double message, les directeurs, c'est genre, produis le plus possible, puis en même temps, c'est améliore-toi le plus possible. Fait que, tu sais, c'était comment tu fais pour gérer bien tes ressources, puis peut-être les gens, à ce moment-là, ils étaient peut-être le nez trop collé dedans, je sais pas trop. OK. Fait Fait qu'après que c'est ça. un peu comme t'as mal tombé au mauvais moment, peut-être, pour les opportunités que toi tu cherchais à accomplir. Exact, exact. OK. Puis finalement, là, ça a fini que je me suis ramassé au marketing à l'Indus, OK. où ce que ça, carrément, c'est du design de produit. Fait que là, c'est quand même le fun, là. Tu sais, tu trouves un nouveau besoin, puis tu essaies de le combler avec un produit financier, sauf que souvent, en assurance vie, il n'existe plus vraiment de nouveaux besoins. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme. Faire une offre pour les clients qui sont plus riches ou des trucs comme ça, puis tu te dis, ben crème, moi, ma job, c'est de faire de l'argent pour faire de l'argent au monde, là, qui sont déjà riches. Ouais, que là, c'était plus moral, là, rendu là, là. Là, j'ai vraiment un dilemme éthique grave. En tout cas, avec différentes conversations que j'ai eues avec des gens, d'un directeur de vente, là, puis mon éthique a vraiment pris un grand coup, puis j'étais pas prêt à faire ça. Fait que j'ai quitté l'insurance pour. OK. Aller trouver faire d'autres choses parce que ça me convenait pas le mindset de. Au niveau, tu sais, c'est vraiment au niveau de tes valeurs puis de tout ce que tu croyais, de dire comme, ouais, c'est cette personne-là qui a 100 millions, as-tu vraiment besoin d'un million de plus cette année, là, tu sais? Au détriment de quoi, puis. Ouais, à quel prix social, mettons, là? OK. Exact. En tout cas, il y a bien des choses, là. Ça ne vaut pas la peine que je rentre pour en parler, mais moi, personnellement, ça me convenait pas. Puis quand je regardais au complet l'entreprise, il reste que c'est une belle entreprise, c'est un bon employeur au Québec et tout. Mais moi, ça me convenait pas en tant que mes valeurs n'étaient pas là. Puis en même temps, c'est peut-être juste parce que les entreprises m'intéressent moins aussi. Ouais, il y a ça aussi. Fait que c'est ça, que dans le fond, moi, quand je partais de là, mon but, c'était de carrément trouver une place où ce que j'allais pouvoir scaler ma game de data science ou d'informatique, tu sais. Puis, Ok, à ce moment-là, tu as-tu pu se faire de data science ou ben, du c'est quoi machine? le mot data science? Ok. Mais Et, je pense que là, tu c'est aimerais. même pas tant que ça, C'est ce ça, là, tu mot-là. étais quoi en 2012, 2013? 2013, Fait que ouais. c'était pas encore vraiment connu, là. Ok. C'était pas si en mode que ça encore. Puis On quand parlait t'es. de Big Data. Big Data venait commencer à rentrer, là. C'était le gros Ok. buzzword, Les 5V. là. À ce moment-là, quand t'es parti, t'es-tu parti tout de chez Percy ou il y a un moment donné que t'as juste comme été en stand-by puis après ça t'es embarqué là-bas ou. Je suis rentré directement chez Expertise, là. Ok. Comment dire ça? Quand tu es employé en actuariat, puis tu es habitué d'avoir une grosse paye, tu as déjà toute l'hypothèque qui suit. Fait que tu peux pas prendre une pause et réfléchir bien à ce que tu fais. Là. Mais Parce ceci qu'il y étant a un paiement qui pousse en arrière, dit. Ouais, c'est ça. là. Mais ceci étant dit, c'est tellement un processus. Quand tu veux changer d'emploi puis tu veux aller vers quelque part d'autre, c'est un processus que tu fais pas d'un coup de tête. C'est un processus qui va commencer quasiment un an avant de changer d'emploi. Il faut que tu y penses. Faut que tu vois, c'est quoi moi qui m'intéresse? C'est où mes valeurs? Puis comment que je fais? C'est quoi que je recherche dans un emploi? T'sais? C'est très différent d'avoir un deuxième emploi que ton premier emploi, que tu sautes dessus, tu te dis, alright, quelqu'un m'engage. Là, c'est qui que je veux qui m'engage? C'est quoi les skills que je Ouais. veux améliorer? Puis c'est quoi à long terme qui vont valoir la peine? Puis c'est carrément ça, Expertise répondait exactement à tous ces besoins-là et plus loin encore que qu'est-ce que je pensais, là. Mais fait que c'est ça, fait que ça a pris quand même un an. Fait j'avais pas nécessairement besoin de pause pour me dire, ah, ok, je réfléchis sur ma vie ou qu'est-ce que je fais. T'sais, je l'ai fait pas mal pendant que j'étais déjà employé. OK. T'en as parlé un peu aussi dans ton blog, ben dans le blog finalement, le post de blog de Dot Layer, là, qui tu parlais justement que quand tu es arrivé chez Expertise, tu étais confronté quand même à dire, moi je pensais que j'étais kingpin en informatique, puis finalement, ben, je suis un esti de deux de pique, là, tu sais. Genre, tu sais, le concept de genre, quand tu penses être le meilleur, finalement, tu es vraiment sous-compétent par rapport à ce que tu es vraiment, là. Comment tu as vécu ça un peu, mettons, là, comment ça s'est présenté à toi, puis que tu as remarqué, là? Ben, initialement, quand je suis rentré chez Expertise, ils m'ont fait à peu près 150 millions d'entrevues. C'était pas encore 100% rodé leur processus d'interview. OK. Puis beaucoup d'interviews étaient relativement techniques. Puis tu sais, je me suis ramassé à faire des entrevues. Ils me posaient, OK, c'est quoi un test fonctionnel? C'est quoi la différence entre un test fonctionnel et un test unitaire? Oh, OK. Ben, moi, je suis actuaire, fait que ben, il y en a un que tu dois le faire dans ton fichier Excel ou dans ta macro, I guess, là, tu sais. Quand même surprenant que t'aies pris pareil. Mais pardon un peu. Fuck off. Mettons, on va juste faire un coup. Expertise, c'est quoi qu'il faisait?
Dans le fond, pour mettre le choix en perspective, Expertise, c'est une compagnie qui a créé un algorithme qui permettait de compter les micro-organismes marins dans une chaudière avec de la lumière, finalement. Fait qu'ils envoient de la OK. lumière, puis ils sont capables de comprendre comment ils avaient absorbé la lumière. Fait que OK. tu sais, c'est vraiment un algo qui avait travaillé à l'interne, qui était super bien. Puis, à un moment donné, ils ont levé bien du capital parce que l'idée était super bonne, puis il y avait un besoin vraiment, vraiment Parce là que en c'est-il Asie. compter le nombre de mammifères marins dans une quantité quelconque, c'est OK, ça? ben non, ouais. Ben, Mais tu sais, je veux dire, le use case de ça, finalement, là, c'est que en Asie, quand tu vas faire, mettons, des crevettes ou whatever, ben, tu as des grands, grands, grands étendues d'eau, puis tu sais pas trop comment que tu en as. Puis actuellement, comment que les autres ils font pour compter, là, comment estimer comment ils ont de crevettes, c'est qu'ils vont prendre un genre un bêcheur de 500 ml, là, puis ils vont prendre ça, ils vont regarder, ils vont dire, ouais, on a à peu près 400 là-dedans. Fait que 400 fois, j'ai 1,2 million de litres, alright, réduit de 3. On s'entend, c'est vraiment pas précis. Fait que là, eux autres, tu sais, Un beau sampling, mettons, là, là, c'était tu à sais. chier leur sampling. Là. En tout cas, fait que là, nous autres, ce qu'on arrivait, c'est qu'on était capable d'avoir des volumes d'eau qui étaient un peu plus hauts, puis on était capable d'avoir un compte exact. Fait que c'était pas, ah, à peu près 400, mais tu sais, tu tombes de 10% de 400 puis 440, là, ben, ça paraît beaucoup, là, c'est de la production. Fait que nous, on était capable d'arriver avec un chiffre un peu plus robuste. L'échantillonnage, on a travaillé très, très fort avec les producteurs là-bas. Mais tu sais, le use case, c'était ça. C'était vraiment d'avoir une chaudière qui permettait de compter de sampler finalement des étendues d'eau pour pouvoir faire des estimations de population, de croissance de population et tout, là. Fait que moi, dans le fond, quand je suis embarqué là-dedans, c'était vraiment pour manager tout le pipeline de données, dire, OK, comment qu'on fait pour prendre les données du client, puis la valoriser, puis que lui dise, hey, j'ai goût d'acheter ton produit, whatever. OK. Fait que c'était vraiment Genre, finalement, compliqué, là. l'interface UI, genre, qui dit, hey, t'en as tant, ils ont grossi de temps pour cent, puis t'as tant de décès, etc. Exact, exact. OK. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est un beau projet parce que, d'un point de vue humanitaire, tu viens donner le premier marteau de qualité à une industrie, là. Tu sais, c'est beau, c'est un super bel outil. Puis c'est ça. Fait que, moi, quand je suis rentré là-dedans, ben, j'avais déjà ma base en actuariat. Puis cette base en actuariat-là, tu sais, elle est quand même bonne. Tu sais, ça permet. Tu as déjà joué avec des données, tu as déjà analysé des problèmes, tu as déjà tiré des conclusions sur un jeu de données. Finalement, tu es un data scientist sans le savoir. Fait que, tu sais, me ramasser là, ben, c'était vraiment bien parce que je pouvais exploiter ma force en actuariat. Ben, ma force, en tout cas. Je pouvais exploiter Ben, ce que tu avais mon appris, puis bagage à qui, ouais. personnel. Mais en même temps, moi, je savais que ça faisait peut-être 10 ans, 10-15 ans que je faisais de l'informatique. Fait que je savais que j'allais pouvoir exploiter ma grande force, qui est très bonne informatique. Fait que là, tu sais, j'arrive là, puis bon, parfait, on fait une pipeline de données. Fait que je dis, alright, on met une petite BDSQL, ça peut, là, ça marche pas de même. Là, ça te prend un système qui est reliable, qui marche tout le temps, qui est en Asie, qui est 100% available, puis qu'on ne perd pas de données, puis tout. Tu te dis, OK, ouais, mais les enjeux sont plus gros que juste comme le use case que j'étais habitué de programmer. Puis après ça, ben, tu arrives avec des équipes qui vont faire du développement, qu'eux autres, ils ont tellement une expérience de faire du code. Moi aussi, je n'avais, mais eux autres, on dirait qu'ils avaient des connaissances autres que je ne savais même pas qu'ils existaient, puis ils étaient capables d'aller deux fois plus vite que moi dans tout ce qu'ils faisaient. Même s'il n'était pas spécialisé Même dans si le t'étais pas processing des données. spécialisé dans le processing des données. Fait que là, ça m'a comme vraiment rentré dedans. C'est de voir à quel point que malgré que je pensais que j'étais bon, mais que j'étais tout le temps en train d'être sur un pas en arrière, en train de gosser dans des petits scripts R ou des trucs comme ça, tu sais, puis que finalement, ça scalait pas pantoute, puis que tout ce que je faisais, ben, c'était tout le temps, t'sais, malgré que j'avais beaucoup automatisé mes affaires, mais il me restait beaucoup de manuel, tandis que quand je voyais tous mes pairs, il y avait comme vraiment pris peut-être l'heure de plus pour dérisquer tout ce qui était opération manuelle humaine, puis que ça roulait tout le temps à full pin. Ouais, je me semble une fois tu m'avais parlé qu'il y en a que c'est comme il rentrait à 9h, mais à partir de 8h, ses scripts partaient de suite. Puis là, quand il rentrait à 9h, ses données, c'était tout chunky, puis il faisait juste son analyse après. Puis là, toi, t'arrivais à 9h, puis c'était comme, ben, il fallait que tu chunk tes données, fait que là, tu commençais à 10h, tu sais. Fait que juste cette heure-là fait une bonne différence, là, tu sais. Tu sais, tu pourrais me dire, ben, tu avais juste à créer ton script. Ouais, j'aurais pu le créer, mais il y a tout le temps genre des petites passe-passe manuelles. Tu te dis, ah ouais, faut pas que j'oublie telle exception, tel truc de même. Fait que quand t'es pas habitué à Généraliser finalement le code, là. généraliser le code, même si t'étais bon pour faire des fonctions pis tout, ben, des fois, c'est des petits détails. Tu te dis, ah, oh, c'est pas grave, je vais le faire à la main. Ben, c'est juste les, ah, oh, c'est pas grave, je vais le faire à la main qui vont juste s'additionner, se piler, puis qu'à un moment donné, ça va juste te manger tout ton temps. Fait que, tu sais, comment je te dirais bien ça? Tu sais, t'as un nombre fini d'heures dans une semaine. Fait que, tu sais, il faut que t'alloues la bonne quantité à je fais des affaires à la main, puis il y a des affaires que je peux analyser. Mais si, plus que t'en rajoutes des affaires à la main, ils s'enlèveront pas dans le futur. Fait que je pense que tu devrais prendre tout le temps un petit, mettons, un 25% pour t'assurer. C'est quoi je fais à la main? Comment je fais pour l'enlever
de ma pipeline personnelle à la main à chaque jour. Ouais, puis tu peux toujours avoir bill sur ça, puis tranquillement, tu sais, t'es juste tes processus sont tout automatisés. Puis toi, tu fais le vrai travail d'un expert qui est analysé finalement les données. Puis au lieu de passer 80% de ton temps à chunker les données, ben là, tu tombes à, tu fais 80% de ton temps à analyser, puis 20% à faire le reste, mettons. Exactement. OK. Puis là, t'as-tu réussi à le faire ou tu t'es pas rendu jusque-là, mettons, auprès d'Expertsy? Mais Expertsy, quand dans une startup, là, quand je suis rentré là, on était peut-être 7 ans. Hein, fait que, une startup, là, tu fais tout, mais tu fais rien. Ben, non, c'est pas vrai. Tu fais pas rien, tu fais tout. Fait que là, dans le fond, je me suis ramassé à toucher, oui. Ça, c'était l'algo de comptage, là, qu'on passait ça dans des affaires de vision. Là. Fait que ça, j'ai travaillé pas mal là-dessus, mais après ça, on a engagé des experts qu'eux autres qui ont fait ce job-là. Puis que moi, ben, je suis allé plus, mettons, carrément dans le développement de produits. Puis présenter des solutions à des clients. Fait que, tu sais, il a fallu que je me rende comme sur place en Asie pour présenter, mettons, les données, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme graphique, qu'est-ce qui serait intéressant. Puis c'était vraiment dur pour eux en Asie parce qu'il n'y a aucune réceptivité. Les autres sont contents, là. Tu sais, ils savent que ça marche bien là, ce qu'ils font, là. Parce qu'ils peuvent crosser les chiffres, ils peuvent faire dire ah oui, mes crevettes sont super bonnes, ils peuvent faire fudge une coupe de measurement. Mais la réalité, c'est que quand tout arrive avec une mesure qui est précise, qui met la vraie vérité dans la face, ben, la chaîne de confiance qui est dans toute cette industrie-là, elle va peut-être s'ébranler un peu. Parce que, si mettons, tu es un producteur X de crevettes, tu dis tout le temps, ah, moi, je te ship 1,5 million de crevettes. Puis là, finalement, tu fais le calcul, tu es à genre 900 000. Là. Parce que tu as fait un échantillonnage comme sérieux, tu as fait un intervalle de confiance. Tu as accepté que j'ai 1,5 million dans ce shipping-là et de 0,001. Les autres sont pas prêts à dire, ah, ouais, je t'ai peut-être menti. C'est intéressant ça parce que c'est quand même un point. On voit beaucoup l'AML présentement comme solution tourbaine à faire hier avec, mais tu sais, ça reste que ça, c'est un impact social finalement d'arriver avec une méthode qui est efficace. Puis là, on se rend compte finalement, ben oui, mais là, il faut tout reconstruire la chaîne en haut. Là. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais. Puis ben, comment. Des enjeux, je pense qu'on ne sait pas tant que tu n'es pas dans le domaine. Puis tu sais, si tu deviens un genre de généraliste du ML, puis tu dis, ben moi, je suis capable de gérer tous les problèmes, mais ben, je pense qu'il te manque le gros volet. Comment ça va être implémenté dans la vraie vie, puis c'est quoi les impacts que tu vas avoir, puis comment est-ce que pour mitiger les impacts de ta solution, ben, pas dans la société, mais t'sais, dans la chaîne de valeur de l'industrie. Mm-hmm. Oui, c'est intéressant, t'sais, finalement, de désamorcer les peurs, les craintes. Oui, aussi. Je comprends, il y a des. Toujours, tu pourrais dire, ben, t'sais, moi, il ne voudra plus m'en acheter parce que ça fait des années que je le crosse, t'sais, finalement. Là. Ouais. Fait que là, je peux perdre ma job, c'est juste qu'il m'achètera plus rien, fait que je suis pas avantagé vers ça. Ou mettons, plus proche d'ici, mettons, ça veut dire, ben, je vais-tu me faire remplacer par une machine, moi, ça veut dire, tu sais, un employé, mettons, qui fait des appels téléphoniques, puis que là, finalement, c'est un robot qui le fait à sa place, ben, il est comme, ben oui, mais moi, je perds ma job, là, je fais quoi pour nourrir ma famille, tu sais. Ouais. C'est intéressant. Puis comment ça a été, mettons, ça, avez-vous, Expertsy, as-tu réussi à casser ça? Ça a pris quoi, mettons, pour réussir à passer à travers le processus que là, c'est l'entreprise qui en vend là-bas, finalement? Ouais. Ben, moi, j'ai quitté Expertsy il y a peut-être 2 ans, finalement, parce que. Il m'avait engagé comme data scientist, puis il n'y avait pas de données encore. T'sais, il n'y avait pas assez de données pour faire du gros ML vraiment le fun. Fait que moi, j'ai quitté. T'sais, un moment donné, je me suis dit, si tout ce que je fais, c'est pas dans mon champ d'expertise, si je designer des produits, ça me dérange pas. Mais faire de la vente à des clients en Inde, j'étais pas là. Là, c'est pas ça qui t'intéressait. T'étais pas là pour ça. Là. Je voulais genre jouer dans les données, puis apprendre des nouveaux algos, puis c'est pas qu'on n'avait pas de données. Fait qu'on a mis en place des solutions qui permettaient d'avoir des données. Fait la dernière affaire que j'ai faite en quittant, c'était comme de créer, mettons, un truc qui s'appelait des workflows qui mettaient en contexte les prises de mesure. Fait que tu étais capable de savoir, est-ce que ça, c'est une prise de mesure qui avait été faite lors d'une livraison de crevettes ou ça, ça a été une prise de mesure qui a été faite par un échantillon quotidien. Fait que ça te permettait d'être capable de faire mettre en contexte pourquoi la photo a été prise puis dire, ben c'est une bonne ou une mauvaise photo. Parce qu'une bonne, ça, une photo peut être bonne si, mettons, tu l'as pris au début de ta production de crevettes la première journée, mais elle peut être vraiment mauvaise si ça fait 15 jours qu'ils sont là, tes crevettes. Fait que, c'était vraiment important d'avoir comme le. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi ça ferait une différence. Ben, c'est parce que, mettons, c'est la même photo. Même là, tes crevettes, les mesures ça. Là. Ah, ok, c'est ça que tu veux dire. La première journée, c'est pas grave. Mais si quand t'es rendu. Les jours qui sont grosses de même, il y a un problème. Ok, c'est ça que tu veux dire. Si t'as pas de contexte, tu le sais pas, ça. Tu sais, que c'est le 15e jour que mauvaise la photo. Okay. Fait que là, on a mis en place quelque chose qui était très important. Puis je pense que, tu sais, si t'as une startup et tu veux partir quelque chose. L'important, l'idée, ça, c'est pas grave. L'idée, tout le monde en a, puis selon moi, l'idée, c'est la chose la moins importante d'une startup. L'affaire la plus importante, je pense, c'est la stratégie d'acquisition de données. Puis, tu sais, tu peux avoir une idée, mais si t'as pas les données, là, tu pourras jamais la faire. Mm-hmm. Puis, avoir une stratégie d'acquisition de données, là, c'est quand même, c'est dur parce qu'il faut que tu dises, j'ai-tu des gens qui vont buy-in
une version bêta de mon produit juste pour que j'aille les donner? Parce que si la réponse est non, mais comment tu vas les faire? Comment tu vas faire pour avoir des données qui vont nourrir tes algos? Fait que tu sais, je pense qu'en quittant, on a mis en place une bonne stratégie d'acquisition de données. Fait que c'est pour ça que je pense que cette année, présentement, ils sont capables de rouler des astifs de modèles de luxe, là, de RNN, des trucs comme ça, parce qu'ils ont eu les données qu'ils avaient besoin. OK. Fait que tu sais, là, présentement, ça roule bien. Puis, je pense que qu'est-ce qu'ils ont aussi compris, c'est ce que quand j'ai parlé avec François la dernière fois, François qui est un des fondateurs là-bas, c'est qu'ils ont changé un peu leur modèle d'affaires. À place d'approcher les petits producteurs, ils vont approcher les gens qui vont vendre la nourriture. Fait qu'à place de faire de la formation, eux, à genre plein de fermiers, ou plein de petits fermiers qui ne parlent pas toujours anglais, qui sont toujours un peu sceptiques, mais ils font de la formation à plus haut niveau, mettons, la compagnie qui va vendre la nourriture pour crevettes. Fait que tu as fait une fois ta formation, puis eux autres sont capables de mieux la faire dans les fermes et de vendre leurs produits correctement. Fait que tu sais, on change vraiment de canal de distribution carrément. Puis je pense que ça va bien. Là. OK. Fait que c'est plus, mettons, l'approche business to business que business to client, là, mettons. Là. T'sais, client étant comme le petit commerçant, ouais. Là, genre, ils vont une scale plus haut, puis eux autres vont s'occuper de le descendre. Ouais, OK. Fait que c'est une belle stratégie, je pense. Puis en tout cas, moi, je suis à chaque fois qu'ils font des trucs, je suis tout le temps excité de voir là, la nouveauté parce que cette gang-là chez Expertise, c'est vraiment des malades. Là. C'est vraiment... Ouais, il y a vraiment du monde très qualifié. Là. Ouais. On a fait un événement chez eux, puis il y en a une couple qu'on a fait. On s'est ensemble dans la vie. Là. Mais ouais, comme Sam, mettons, là, à chaque fois que je parle, je suis comme tabarnan. Je parle d'informatique, je suis comme je suis vraiment pas au même niveau. Là, genre, puis je pense pas que c'est volontaire, c'est juste qu'il est extrêmement expert dans ce qu'il fait. Fait que là, il me parle d'affaires, des fois, je suis comme cool. L'autre ici, là, que j'oublie tout le temps, c'est Joey, c'est tout ça? Ouais. Ouais, Joey aussi, des fois, quand il parle d'affaires, je suis comme OK, là, genre, j'ai décroché, ça fait 15 minutes, genre, tu m'as perdu, je sais pas, on est rendu où, là. Puis je pensais aussi que j'étais bon en informatique, là. Tu sais, même affaire, là, j'étais comme en actif, j'étais comme, hey, je suis dope, là, je fais telle affaire. Mais non, c'est juste du Excel de merde que tu fais, là, genre, tu viens de briser tous les patrons de conception pas possible qui existent, puis genre, tu viens de faire un training work juste live, là, genre, puis tu viens de péter tout le concept orienté objet. Mais non, mais t'es hot, tu sais. Ouais, ça a marché. Ça a fonctionné, mais après ça, j'ai livré, mais tu sais, après ça, t'essaies de généraliser ou de rajouter une nouvelle affaire, puis ça te prend 1 heure. Puis après ça, autre fois, ça te prend 1 heure et demie, parce que là, faut que tu pètes ton code encore. Fait que là, tu sais, finalement, tu fais juste tout le temps prendre plus de temps pour racheter des affaires, alors que lui, parce qu'il a fait sa job comme faut au début, ben là, lui, ça diminue, ben, ou ça diminue, ou ça reste constant, puis il est capable de faire des affaires cool, tu sais. Exact. Puis c'est ça, quand ça scale. C'est exactement, ça scale, parce que les autres, ils étaient tout le temps en train de produire de nouvelles affaires, tu sais, comment le fait. Ils ont tout automatisé, là. Puis ils n'ont pas automatisé ça comme des cabochons parce que ça buguait, parce qu'ils ont mis même du monitoring pour s'assurer que si ça pétait, ils savaient que ça allait péter, que ça avait pété, puis ils comprenaient comment déboguer. C'était vraiment bien leur affaire. J'ai beaucoup appris, mettons, avec cette gang-là, puis ça m'a vraiment ouvert les yeux sur quelque chose que je connaissais pas. Là. OK. Puis, mettons, là, pour toi, tu penses pour un data scientist ou machine learning ou tout ça, là, penses-tu vraiment que l'informatique, c'est essentiel, genre, de connaître ce genre de choses-là, ou tu pourrais te débrouiller en allant un petit peu moins profond? Ce serait où qu'est-ce que tu penses qui est la bonne profondeur d'atteindre des compétences informatiques? C'est-tu, genre, les patrons de conception? On va-tu jusque-là ou tu t'arrêtes avant? Je pense que ça, du data science, tu peux peut-être t'en foutre un peu. Tu sais, puis, mettons, comment t'expliques? Data science, là, tu sais, ce que tu veux jouer, c'est jouer avec un dataset, le brasser de tous les bords, de côté, tu sais, puis je me vois difficilement mettre des tests unitaires dans, mettons, du data science, ou je le sens pas. Tu sais, tu as besoin d'une analyse. Oui, peut-être qu'il faut que tu automatises tes processus pour analyser de nouveaux datasets. Ça, c'est tel que tel. Est-ce que c'est l'orienté objet ou des patrons de conception qui vont régler ça? Je pense pas. Si tu fais du ML, par exemple, je pense que ça, parce que tu vas avoir besoin de prendre des données un peu plus, faire un peu plus pas d'analyse, mais de gossaillage. Je pense que tu comprends un peu plus l'informatique. OK. Tu sais, n'importe qui est capable de faire une moyenne, mettons, sur un jeu de données. Plus ça, je veux dire, c'est un data scientist, dans ma tête, il n'y a pas besoin de patron conception pour faire une moyenne. Ouais, définitivement. Si tu fais du ML, il faut que tu saches que, OK, je prends scikit-learn, puis la fonction de perte, je ne suis pas sûr que je l'aime tant que ça, je vais la hacker, je vais mettre une autre fonction de perte. Mais tu sais, comment tu fais pour comprendre ça, puis rentrer dans dans la profondeur de scikit-learn? Ben, je pense qu'il faut que tu connaisses l'informatique, puis que tu aies une bonne idée de comment, pas juste Python, mais de l'orienté objet, ou au moins de reverse-engineer les patrons qui ont été faits. Comprendre comment toi racheter ton morceau dans l'équation. Mm-hmm. Je veux dire, t'as pas besoin de comprendre c'est quoi le concept d'interface, mais si tu veux faire une nouvelle classe qui va rentrer dans une pipeline, scikit-learn, faut que tu saches c'est quoi au moins. C'est quoi leur interface, puis comment l'agencer avec ça. Transform to predict, t'sais, t'as pas le choix, t'sais. T'es obligé de les implanter, là. Faut que tu les implantes, faut que tu comprennes pourquoi tu les implantes. Mm-hmm. Sinon, je pense que ça va être vraiment sur le back foot longtemps.
Puis mettons dans les autres skills, mettons qu'on va en dehors de la programmation, parce que je pense que pour faire du ML, DataScience, c'est pas juste faire la programmation, c'est aussi comme être capable de launcher un serveur, des affaires dans le même. Comme, ça serait quoi les autres skills que tu vois, Docker, les affaires. T'sais, c'est quoi les autres tools, nice to know? Parce que moi, on m'a demandé dernièrement, genre mes amis, ils disent, c'est quoi les hacks que tu fais en informatique qui t'aident à travailler? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là, dans quelle zone. Là. Moi, j'avais de la difficulté quand même à répondre à cette question-là, parce qu'on dirait que, tu sais, mettons, je suis comme, ben moi, je me dis, j'utilise SSH, je travaille en remote sur des computers. Tu sais, c'est tout ce que je pensais, mais j'ai comme, ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine, tu penses, de travailler en Linux, travailler avec Docker? C'est-tu des affaires qui sont nice to have, ou c'est genre juste parce que nous autres, on aime ça, ces hacks-là? Ben, quand tu vas dans la console, c'est tout le temps impressionnant parce que tu peux la mettre en vert et en noir, là, fait que t'as vraiment l'air Ouais. d'un hacker. Ouais, on dirait que t'as. Ben moi aussi, à chaque fois que je parle à la console, j'ai l'impression que je hack la NSA, là. Puis je me sens hot, là. Genre, ça me valorise, là. Mais en dehors de ça, tu sais, tu m'as un peu forcé à l'apprendre. Je regrette pas le changement. Mais j'ai la misère à dire, c'est quoi vraiment les plus-values concrets que je peux dire, ben, prends l'invite de commande, travaille avec l'invite de commande plutôt que travailler avec Windows, mettons, tu sais. En fait, tu pourrais la faire aussi en Windows aussi, ça existe aussi, elle est juste moins partie, c'est pas un kernel Linux, fait que, il y a quand même des petites différences un peu là. Mais mettons, ils sont en train de faire une transition vers ça, mais c'est quoi l'avantage, mettons, tu verrais toi? C'est bien cool la LS, mais ça augmente pas ta productivité là, tant que ça, là. Exact. Ben, je te dirais, tu sais, dans ma tête, là, il n'y a pas une affaire qui est si hot que ça. C'est peut-être juste comment que tu connais toutes les affaires et tu es capable de faire des liens entre eux autres. Fait que tu sais, tu perds pas de temps à réinventer tout le temps la roue. T'as pas nécessairement. Mettons, tu sais, je parle de Docker. Ben, j'ai pas besoin de savoir comment installer toutes mes astuces d'affaires, mes programmes. Tu sais, j'ai pas besoin de savoir comment configurer ma base de données, mettons mon Go, ben, mon Neo4j ou ben, ma Elasticsearch, tu sais. Je fais juste Docker pull, Docker up, tu sais, puis oui, je vais jouer dans les configs, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui simplifient l'utilisation des services que j'utilise. Fait que Docker, c'est quand même Okay. le fun. Mettons, je C'est t'expliquerais essentiel. Docker en deux lignes, qu'est-ce que tu dirais? Mettons, quelqu'un ne sait pas c'est quoi Docker? Toujours la question, hein? C'est toujours la question. Dockerfile, Dockermade, Docker Dockercompose. Compose. Ouais. Ben, dans le fond, Docker, c'est juste un. C'est comme des machines virtuelles, tu sais. Sans avoir un GUI par-dessus qui taxe et que ça soit vraiment chiant à utiliser. Fait que tu sais, mettons une machine virtuelle, ben tu vas la lever, puis là tu vas mettre un OS dessus, puis là tu vas installer tes affaires comme si t'as un ordinateur à l'intérieur de ton ordinateur, parce que tu sais, t'as l'impression de pouvoir cliquer sur mes postes de travail, mes documents. Tandis que Docker, c'est la même chose, sauf enlève tout ce qui est interface graphique, enlève tous les programmes que t'as pas de besoin, puis tu fais juste avoir ce que t'as de besoin. Fait que des fois, là, si mettons, tu veux runner une base de données SQL, ben ça se peut que t'as juste besoin comme d'une version hyper minimaliste d'Ubuntu avec juste le driver SQL puis SQL dessus. T'as même pas besoin de l'horloge, pas besoin genre des claviers, t'as rien de besoin. Fait que la machine virtuelle, finalement, elle pèse probablement, je sais pas, 100 MB, puis elle taxe pas sur ta RAM ou le CPU parce qu'elle partage avec ton ordinateur. Fait que ça te permet, tu sais, de partir des services qui sont dans un carré de sable, puis ce carré de sable-là, ben tu fais ce que tu veux dedans, ça n'impactera jamais ton ordinateur à toi. OK. Fait que le but de ça, c'est vraiment de créer des services qui sont facilement réplicables. Parce que quand tu vas partir, ton Docker va tout le temps partir à la même place que la dernière fois que tu l'as parti. Puis, tu peux les scraper comme tu veux, puis ça ne brisera pas. Fait que tu peux faire des environnements de test, tu peux faire des environnements de développement, tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Ben, tu peux aussi faire, mettons, des scripts d'analyse. Fait que là, tu dis, mettons, là, tu wraps tout ton extraction de dataset, ton pré-processing, ton analyse, puis ta création de ton LaTeX, tu mets ça dans ton Docker. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire Docker plus, ben, Docker run, mettons. Puis lui, il va tout faire. Il va exécuter ton script. Puis tu sais déjà que l'environnement dans lequel il va être, mais tu n'auras pas de problème de dépendance parce que C'est toujours exactement la c'est même toujours chose. la même affaire. Fait que, mettons, tu as utilisé Ubuntu 18 ou Ubuntu whatever, ben ça reste le même Ubuntu-là, même si toi, tu es rendu 5 ans plus loin. Fait que tu sais, tu es capable de vraiment containeriser un environnement. Puis tu peux y avoir confiance. Dans le fond, il y a comme un mythe, tu sais, quand tu n'es pas super bon en informatique, là, tu te dis, ah, mais je comprends pas, ça marche sur ma machine. Ouais. Mais tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent sur ta machine que tu sais pas qui se passe. Fait que quand tu arrives sur une machine d'un autre, tu te dis, ah, mais ça marche ma machine, mais pourquoi ça marche pas sur la tienne? Ben, c'est qu'il y a plein d'effets de bord que tu connais pas dans les logiciels que tu as. Docker, ça te permet de dire, ben, voici, je te passe ma machine. Ouais, Quand ouais, ça marche ma machine, ben, je te passe ma machine. Fait que ça va marcher, c'est sûr. Mais tu sais, tu y ouais. passes pas physiquement, tu y passes. OK. Ouais, juste en fait les configurations que tu veux qu'ils installent, puis là, après ça. Exactement. Fait que c'est quand même pratique pour tout ce qui est reproductibilité de la science, finalement. Absolument. Penses-tu que ce serait une avenue que. Est-ce que c'est une avenue que tu penses utiliser, toi, pour la science, mettons? Je Pour pense tes projets de recherche? que
Le use case, je l'aime vraiment beaucoup, puis j'ai pas encore eu la chance de l'exploiter à 100%, je te dirais. Mais éventuellement, mettons, si j'avais un paper à faire, je pense que je le mettrais dans un Docker. Puis genre, tu passes juste partie de Docker, puis à la fin, tu arrives avec les mêmes résultats que tu as dans ton paper, Ouais, mettons. exact. OK, intéressant. Sinon, tu sais, pour revenir sur ton affaire, tu sais, la Ouais. console, c'est si cool que ça. Mais la console, de comprendre comment gérer toutes les affaires, mettons, tu veux faire Docker. Mais si tu comprends pas comment la console marche, là, tu vas être dans le trouble. Il n'y a pas de GUI là, sur Docker. Ben, oui, sur Mac, il y en a, mais c'est beaucoup moins efficace. Fait que tu sais, il y a plein d'éléments de même que de skipper le GUI, l'interface graphique de ton Le logiciel, te double-clic sur permet des d'aller trucs, là. vraiment plus loin et de faire exactement ce que tu veux. Fait que tu es extrêmement précis dans les modifications ou dans les actions que tu fais dans tes logiciels. C'est sûr, je programme encore. Bon, je programme avec PyCharm, je suis pas rendu aussi hot que d'avoir Emacs de film, là. Space Max Space Max, j'ai comme essayé. Nick. Ouais, j'ai Hey, je suis essayé. contre moi, c'est les raccourcis clavier, je suis pas capable. Je suis tout le temps. Ah, c'est CTRL M, D, C, 3, 4, 7. Puis là, tu viens de faire copier-coller, tu sais. Ben, tu finis par les avoir. À un moment donné, quand j'étais au bac, je t'ai rendu pas pire avec les raccourcis clavier d'Emacs. Mais il faut juste. Faut, en tout cas, moi, je pense pour performer dans ce genre d'affaires-là, il faut que tu utilises Emacs sur tout. Genre, tu n'utilises plus Word. Quand tu fais un contrôle C sur Chrome, c'est pas la bonne affaire. Faut que tu fasses exactement le même raccourci pour toujours que ce soit imprégné dans ton cerveau, tu sais. Tu sais, mettons, je te dirais que la ligne de commande, pour revenir à ça, c'est un outil, surtout la ligne de commande Linux, parce qu'elle vient avec Unix Tool. Puis Unix Tool, là, on ne l'exploite pas assez. Puis, mettons. Mais le pipeline avec ça, c'est quand même très puissant, là Ouais, aussi, là, tu mais sais. quand tu comprends comment c'est fait en arrière, c'est malade. Tu sais, c'est comme c'est un outil distribué, pas distribué, mais mettons, là, ouvrir un fichier là, de 50 gigs là, avec, mettons, cat ou ben head, là, ça se fait. Ouais, Tu sais, c'est fou, là. oui. Essaye pas d'ouvrir ça avec notre pad de rien, là. Mais tu peux comme aider, mettons, les 10 premières lignes ou le chose au complet, pipe ça dans la grep, c'est super rapide. Ouais. Fait que, tu sais, apprendre à hacker dans ta console pour sortir ce que tu veux d'un jeu de données. Puis surtout, quand tu as des jeux de données, tu sais, avec des. Moi, présentement, c'est quoi, c'est 1,2 gig. Mais c'est une plaie, là. Je peux pas fouiller à la main, là, dans un iPad, puis un contrôle F, oublie ça. Vim, peut-être, pourrait m'aider. Mais Unix Tool, c'est vraiment bon, là. Tu sais, quand tu Ouais, veux avec un juste. grep, un set, whatever, là. Il y a bien des affaires que tu peux faire avec ça. Fait que, tu sais, c'est pas si hot que ça, mais c'est juste tout ça mis ensemble, comment que tu es capable de tout enchaîner les morceaux, là, selon moi, il y a une valeur ajoutée. Ouais, quand même. Puis, tu sais, aussi, ça reste que la plupart des serveurs de calcul, c'est C'est un en Linux. terminal. C'est en Ouais, Linux. c'est en Puis, c'est un terminal. terminal, t'as pas un UI. Il commence à en apparaître, justement, pour être plus user-friendly, mais encore là, t'as un overhead, là, tu sais. Fait que tu te connectes, puis là, t'es comme un aussi. Je sais, tu sais, moi, personnellement, mon ordinateur, j'ai 8 GB de RAM, puis j'ai un SSD, puis c'est pas mal ça. Puis, l'objectif, c'est juste, moi, je fais mon code là-dessus, puis mon script, je le fais exécuter ailleurs, tu sais. Fait qu'il faut que je sois capable de gérer mes fichiers, comment je les envoie, puis tout ça. Puis, quand j'arrive là-bas, je vais être parti des runnings, mais si tu connaissais pas l'invite de commande, je pourrais pas faire ça. Je suis obligé d'avoir un ordinateur avec 16 GB de RAM qui m'a coûté 3 000-4 000 pièces de plus, puis pour finalement pas avoir quelque chose qui est tant plus performant qu'une tour qui est juste à côté de moi, puis que je peux faire tout ça, là, tu sais. Je veux Tu dire. sais, mettons, là, puis mettons que tu voudrais le transférer, là, ben là, il faudrait que tu passes par un client FTP. Tu connais pas l'invite de commande. Fait que là, tu as un client Ouais. FTP, tu l'ouvres, ça prend à peu près 3 secondes. Tu te connectes, ça prend peut-être 2, 5, 6 secondes. Puis là, faut que tu rentres ton mot de passe dans. Ah, le grand, tu Là, peux faire un SCP, bref. là. Là, ben c'est ça. Là, ça te prend à peu près 5 minutes. Tu sais, juste faire envoyer ton script, tandis qu'un SCP, ça te prend 1 seconde. Fait que là, tu sais, sauver 5 minutes à chaque fois, ça paraît, mais c'est pas gros 5 minutes de sauver, mais c'est juste comment ça s'empile, puis tout ça va ensemble. À tous les jours ou une fois par semaine pour 1 an, 2 ans, 3 ans, ça C'est là que paraît, là. ça rentre un peu dans l'histoire de qu'est-ce que tu fais à main versus qu'est-ce que tu es capable d'automatiser. Puis automatiser un UI, c'est basically impossible. Automatiser une ligne de commande, Effectivement. très facile. Ouais, avec un script. Avec un Effectivement. script. Fait que tu sais, c'est pour ça que la ligne de commande, je trouve, c'est important parce que c'est automatisable versus une macro, versus comme un Excel que tu peux pas automatiser ça vraiment. Ouais, effectivement. Bon, je pense que ça fait pas mal de tours pour ça, là. En tout cas, c'est dur à dire quand même toutes les tools, les hacks, là, genre. Je pense que moi, j'en connais pas encore tant que ça. Tu sais, souvent, juste parler avec d'autres collègues au Graal, puis je suis genre, OK, je tu viens m'apprendre ça, j'ai aucune idée que ça existait. Tu sais, les systèmes D, les cron jobs, là, finalement, tout ça, c'est bien cool, mais d'un coup, j'ai appris ça. Moi, j'étais comme un enfant au Toys R Us, j'étais comme, t'es-tu sérieux que je peux automatiser des scripts, puis dire à tous les 8 heures, tu me passes ça, tu sais? Puis bon, ça a pris 3 semaines de réussir à le faire parce que je comprenais, ça marchait jamais. Mais, tu sais, c'est pour ça que je pense que les gens d'informatique, ça leur donne quand même un edge pour être capable d'automatiser. Mais ils savent pas, on dirait, tout quoi automatiser. Un peu, là, finalement. Mais en Ça vient général. avec la pratique, ça, je pense. Ça vient avec l'expérience. Probablement. Mais tu sais, je pense que c'est des bons hacks à savoir. Mais ça serait nice, me semble, un livre de genre hack ML, tu sais.
Mais il y a un livre qui est ML from the Command Line, là. Ah oui! C'est vrai, Nick, il l'a mis il n'y a pas longtemps, là. J'allais me le chercher, ça. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être excitant, ça, quand même, genre des hacks, des bons hacks, ouais. Ouais, puis il parle vraiment de Unix Tool, là, là-dedans, là, puis ça a l'air assez poussé, ce qu'il fait. Là. OK. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais le mettre dans la description là, pour ceux qui vont vouloir le lire. Mais oui, c'est une bonne idée de faire ça. Et là, on est rendu à Expercy. Tu as décidé de quitter Expercy. Fait que là, t'es rentré en maîtrise. C'est là que tu es rentré en maîtrise, c'est ça? Ouais, ben j'ai appelé Étienne Marceau, mon cher professeur Étienne. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe cet été à l'école? T'sais, j'avais déjà commencé ma maîtrise, moi, à temps partiel. Puis, je suis dit, bon, ben, je pourrais la finir à temps plein. T'sais, c'était une avenue qui s'offrait à moi, tu sais. Fait que là, il était super excité. Il dit, ah oui, on a un super projet là, qui va commencer là, bientôt. Là, c'est un projet avec Intact, là, c'est de l'assurance, c'est de l'informatique. Là, tu vas triper. Ben, bon, ben, c'est une belle opportunité, tu sais, pourquoi pas. Puis j'ai accepté. Puis là, je me suis joint à l'université. Puis ce temps-là, c'est super le fun. Là, alors, oui, on travaille avec Intact, là, mais tu sais, on travaille avec plein de projets autres aussi qui sont très, très. Selon moi, valorisant, mais tu sais, pour moi, parce que ça reste c'est de la recherche, tu sais, tu te trompes, tu arrives, tu essaies des affaires, ça marche pas tout le temps, mais c'est quelque chose que tu peux pas faire en entreprise, tu sais, comme mm-hmm. dans ma tête, à l'université, oui, ok, mettons, les salaires sont très différents, oui, mais tu t'achètes une option de pouvoir pousser plus loin pour faire marcher ton affaire. Ouais. Tandis que des fois, ben, mettons, l'entreprise, c'est. On pousse la plug, là. Ou on tue de suite la. Ouais, parce ouais. que c'est pas assez prometteur. Tu sais, c'est vraiment le fun pour ça l'université, puis moi je trouve moi ça que j'aime ça un peu me perdre puis aller chercher plus loin que qu'est-ce que le monde serait allé chercher d'habitude, puis ça me convient. Fait que tu sais, c'est super le fun là, dans ce sens-là. Puis au début, ben j'avais fait ma maîtrise j'ai commencé ma maîtrise en actuariat, puis je suis allé voir Hélène Cossette, qui était directrice du deuxième cycle à ce moment-là en actuariat, puis tu sais, j'aimerais ça explorer un peu ce qui se fait en informatique. Fait que là, tu sais, je regardais le programme en actuariat qu'il y avait, puis c'était sujets spéciaux en informatique, sujets spéciaux en ingénierie logicielle. C'est quoi ça, les sujets spéciaux, tu sais? Pour me rendre compte que je pense que ça avait juste pas été mis à jour parce que ça n'existait pas vraiment. Fait que là, finalement, j'ai fini ma maîtrise, mais avec juste des cours de GLO, finalement. Fait que qualité métrique, base de données avancée, big data. Après ça, il y avait aussi NLP, Natural Language Processing. Fait que tu sais, mettons, j'ai fait tout mon curriculum actuariel, là, genre. Vie, modélisation du risque, puis tout ce qui était à option 100% en informatique. En informatique. Puis là, ben, c'est intéressant parce que tu sais, il y a quand même une combinaison, le fun entre ces deux morceaux-là. Tu sais, en actuariat, oui, on fait des modèles plus théoriques, mais on fait aussi de l'analyse de données. Tu sais, c'est un peu l'idée que Marc-Pierre Côté a là, dans le sens que peut-être qu'à maîtrise, il faudrait faire un peu plus d'analyse de données ou trouver des modèles, ou mieux comprendre les modèles de machine learning. Fait que, tu sais, le lien entre l'informatique est quasiment naturel. Là. Il manque pas gros, il manque juste une petite poussée pour qu'on y aille. Okay. Je pense que même le programme a été modifié cette année. Ouais, mais il rajoute comme une petite branche informatique. Là. Ouais, puis là, je sais qu'il rajoute une maîtrise professionnelle aussi, là, dans les deux prochaines années. En là. Informatique En actuariat. En actuariat, ouais. Ce qui va le plus être axé sur le big data, finalement. Ouais, hein. ouais. C'est qui répond à la main. Le titre, tu l'as dit un peu plus tôt, effectivement, je pense que les skills, habituellement, qui sont développés dans ce genre de parcours-là, vont amener à être quasiment un data scientist, là, ouais. Principalement. Parce que tu as le tool mathématique, tu as le tool informatique, puis tu as l'analytique aussi, puis la façon logique de. Analytique, logique de répondre à un problème, là. Qui est quand même assez souvent développé, là, je pense, du moins dans ce parcours-là. Tu sais, oui, on a des aptitudes. Mais le coffre à outils n'est pas complet. Oui, définitivement. Parce que, mettons, moi, j'ai fait à maîtrise un cours de. Le cours de statistique à Thierry Duchesne, qui est. Lequel? Malade, là, ce cours-là. C'est régression linéaire-ish, là, mettons. Mais tu sais, okay. Les modèles généralisés, les GLM, les affaires-là. OK. Je savais pas que ça existait. Tu sais, je comprenais, je savais c'était pas une régression linéaire, mais rentrer dans la profondeur, tu sais, comme des matrices variance-covariance, des GLM, les affaires-là, c'était super trippant. Moi, je pensais que j'étais bon en stats en actu. Mais non, j'étais aussi poche en stats que j'étais poche en informatique. Okay. En actu, on a des aptitudes, mais une des mauvaises aptitudes qu'on a, par exemple, c'est de penser qu'on sait tout. Mais ça, c'est pas juste l'actu. Je pense que tous les domaines qui vont se faire brainwasher un peu à l'université, où on va devenir des experts dans un domaine extrêmement pointu, on va se ramasser avec ce flow-là où que on est tellement bon expert qu'on a appris qu'on est capable d'apprendre n'importe quoi, fait qu'on va assumer que peu importe ça va être quoi, on va être capable de le faire ou de le raisonner. Mm-hmm. Alors qu'il y a beaucoup de travail pour se rendre ce que, mettons, les experts en statistique ou les experts en informatique sont rendus.
Fait que tu sais, je pense que c'est juste un peu. Oui, parce que, comme tu dis, les attitudes sont là, mais il faut rester ouvert d'esprit. Définitivement, ouais. Pas justement embarquer dans un cercle d'élitisme, là, finalement, là, quand tu sais qu'on est les best puis qu'on sait tout, là. Ouais. Puis, d'un coup que tu as fait ta maîtrise, là, tu as gradué de la maîtrise, puis tu as décidé de faire juste le doc en informatique. Ouais, exact. Mettons, qu'est-ce qui a expliqué ce choix-là? Finalement, je suis pas super bon en maths. C'est très dur. Pour vrai, là, les. Tu sais, j'étais bien bon avec les plus et les moins au primaire. Tu sais, puis les fractions, ça a bien été, mettons, au secondaire. Tu sais, puis différentiel, c'était cool, là, au cégep. À l'université, moi, j'ai de la misère un peu. C'est pas ça, stochastique aussi, là. Pas ça, stochastique. Moi, je l'ai senti, pas là. Suivi au complet. Puis, pas ça, le théorie du risque, j'ai tout suivi de A à Z. En tout cas, tu sais, j'ai réussi à les passer ces cours-là, là, tu sais, puis c'était correct, là. Mais là, après ça, quand j'étais arrivé à maîtrise, là, puis que. Là, il y avait beaucoup de choses en mathématiques que je me suis dit, ah, ok, les maths, c'est plus le carré de sable que le professeur t'enseigne. Les maths, là, c'est genre. Alors, regarde dans ma bibliothèque, là, il y a plein de preuves partout, là. Moi, même ma job au primaire, secondaire, puis cégep, là, c'était. Puis, c'est de dire, prends cette preuve-là. Là. Puis voici comment ça se mélange tout, cette affaire-là. Mais là, prends la bibliothèque, puis trouve pour. Tu rentres du A.A. au point B, puis trouve là-dedans que ça te prend. Là. Tu te transformes de la place, tu sais tout ça. Là. C'est ça. Ouais. Là, faut que tu sois hyper à l'aise avec tous ces outils. Ouais, ouais. Faut que tu les maîtrises sur le bout des doigts. Là. Exact. Faut que tu saches toutes les petits tricks. Ouais. Tu sais, oui, c'est une chasse au trésor, puis c'est le fun, puis il reste tout le temps à réussir à se faire. Mais c'est ça que tu aimes dans la vie. C'est ça la question. Moi, je suis correct, tu sais, quand d'appliquer, selon moi, j'ai un esprit logique qui marche. Mais est-ce que ça m'intéresse, tu sais, de vraiment creuser dans toutes les preuves puis de savoir que je peux faire cette transformation-là? Des fois, quand je vois le monde le faire, je dis, hey, c'est vraiment cool, tu sais. Quand je vois, mettons, Thierry Duchesne me faire des passe-passe avec des patentes avec la LDA, là, qui est un truc en Natural Language Processing, je dis, hey, c'est vraiment hot, là, que. La LDA, là? Latent Direct Lake Analysis, là. C'est genre une affaire pour faire du topic modeling, là. C'est très théorique. Là. C'est un modèle bayésien, vraiment intéressant. Puis, j'ai jamais entendu ça. Mais explique-le donc un peu. C'est dans le fond, quand tu prends un corpus de texte, tu as plein de. T'as un corpus de texte avec beaucoup de documents. Ces documents-là, ben, ça se peut qu'il y ait des thèmes qui reviennent dans ces documents-là. Mais tu sais, tu sais pas. Y a-tu 1, 2, 3, 4, 5 systèmes, tu sais pas. Puis tu sais, dans le fond, tu aimerais juste avoir une méthode statistique qui te permet de dire si j'ai 3 thèmes, là. Ça serait quoi les thèmes, ou encore, ça serait quoi les documents, comment ils seraient divisés dans chacun des thèmes. C'est un peu ça l'idée de la LDA. La LDA, c'est comme, elle va faire une analyse bayésienne sur... Bon, sur, ça fait 45 minutes, là, c'est tout. Quel thème, quel mot est associé à quel thème, puis quel document est plus associé à quel thème. Mais tu sais, c'est pas de la classification, c'est du soft clustering qui dit, ouais, mais le document 1, il doit appartenir au thème 1 à 80% du temps, 20% du temps au thème 2, puis 0%. OK. Mais c'est très statistique. Fait quand t'es informaticien un peu réduit et que t'es pas intéressé à ça, mais tu vas rester dans un petit bucket que tu peux jouer. Mais quand je voyais Thierry comme naviguer dans le Bayésien, n'importe quoi, il dit ouais, là, ce qu'on va faire, on va changer ce petit morceau-là. Là. Puis lui, on va mettre plus de prior là-dessus. Puis là, c'est incroyable, c'est parce qu'il est ferré en maths. Là, ouais, ouais. Fait que tu sais, je trouvais ça beau pareil. Là, puis okay. Là, on est en train de travailler là-dessus. Puis à guess que ça va amener quelque chose de vraiment intéressant. Mais... C'est ça ton projet présentement que tu fais? Ouais. C'est quoi ton projet de maîtrise de doc, excuse-moi, tu fais? Le projet actuellement, c'est qu'on essaie de mapper des textes à des valeurs en signe de pierre. C'est comment que des notes de sinistre, par exemple, pourraient influencer l'évolution d'une réserve. OK. Puis avec ça, c'est là que tu veux faire un peu l'espèce de soft clustering, de dire c'est quel type de document qui va dans Mais quel parce groupe. Que, mettons, tu prends toutes les notes de sinistre, puis... Je pars peut-être de loin, mais mettons, une note de sinistre, c'est toutes les conversations, les échanges qu'il y a entre... L'assuré, son avocat, l'assureur, c'est comme tous les morceaux qui font partie du dossier de réclamation, finalement, les morceaux écrits. Mais là-dedans, des fois, tu as genre bonjour, je suis en vacances, je te rappelle dans 2 semaines. OK. T'sais, ça sert à rien, ça. Oh, il n'y a pas d'information là-dedans. Fait que là, ce que tu veux faire, c'est peut-être pour enlever du noise, ce que tu fais, c'est que tu vas recevoir un premier fil qui dit ouais, moi, les documents, je pense qu'on devrait regarder, là, c'est les documents qui ont l'air d'être reliés aux blessures. Fait que là, c'est le même, ce clustering-là, c'est pas la solution. C'est juste un outil qui va nous aider à arriver à la solution. Puis là, ben, dans ce chemin-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, crime, il y a peut-être un avenir de recherche qu'il va falloir creuser un peu. Fait, oui, on va livrer plus tard, mais crime, on va peut-être faire un paper là-dessus. OK. Fait que c'est le même que la recherche universitaire va se faire en collaboration avec des entreprises. Régler le problème de l'entreprise, on s'entend, il y aurait plus à appeler n'importe qui fait du ML, tu sais, puis qui est capable d'appliquer des modèles normaux. Viens-en chez nous, on va te faire ça, puis ça va être réglé. Là. C'est ça, je vais charger X, puis c'est fini.
Mais avec, quand tu passes dans l'université puis que tu veux faire de la recherche, ben, oui, ça te paye plus long, surtout tu vas payer moins cher aussi. Mais tu vas te perdre un peu dans les dédales du problème pour réussir à faire de la recherche puis trouver de quoi de nouveau. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça là, que je disais, quand dans une entreprise, il faut arrêter de toujours être juste orienté solution puis faire régler le problème. C'est comment qu'on règle bien le problème, puis des fois, ben, des belles surprises là-dedans. Ouais, ça, ou tu sais, ça peut être positif ou négatif, mais ça donne une information quand même que ça donne pas la bonne réponse ou que ça si soit négatif, peu importe, t'sais, on a prouvé quelque chose, ça fonctionne pas. L'avenue qu'on a utilisée, on pensait qu'elle était bonne, ben ça faudrait peut-être consacrer les efforts à essayer d'aller ailleurs ou d'aller encore plus en profondeur. T'sais. Mais tu sais, il n'y a pas de. C'est juste que je pense que, comme tu dis justement, l'entreprise, c'est comme faut une solution genre maintenant, là, t'sais. Mais il n'y a pas de genre ouais, ok, mais peut-être que si on pousse encore un peu, on pourra aller plus loin, ou de taxer comme regarde, ce qu'on essayait ne fonctionne pas. On l'a prouvé. C'est plate, c'est cool, on a mis de l'argent, c'est peut-être pas le fun pour l'entreprise, mais on a réussi à faire quelque chose, t'sais. C'est juste, c'est pas. Les gens veulent juste des résultats positifs, là, finalement, t'sais. Ouais, fait que là, tu travailles beaucoup avec Thierry, avec Luc, puis Étienne, c'est ça, ok. Puis là-dedans, le projet, finalement, c'est là que c'est quoi, LDA? Allez, ouais. Que là, ça a sorti, ok. Puis, fait que là, tu as décidé de pas faire les maths. Comme tu étais moins bon en maths, tu as décidé de plus faire le doc en informatique quand même, puis de rester quand même un peu connecté au domaine de l'assurance, pareil. Ouais, mais je sens de plus en plus que ça va être vraiment mon talon d'Achille, fait que je veux pas que ça devienne vraiment comme Les maths, tu penses? ouais, les maths. Fait Ok. que, il va falloir sûrement que je rentre dans le Bayésien, que je check des affaires, que je parle plus souvent à Ok. Christopher. ok, non, c'est intéressant. Fait que pour toi, mettons, pour faire du bon machine learning, c'est quand même un informatique maths ou il y a d'autres skills que tu rajouterais? Mettons, quel hard skill tu rajouterais un. Mais mettons du machine learning pur et dur, puis que j'analyserai pas les données ou trop, là, t'sais. Les stats, c'est peut-être utile. Toutes les maths reliées aux propres affaires-là, ça peut être quand même pertinent. Parce que si tu veux améliorer les modèles, comprendre c'est quoi les morceaux dans lesquels tu peux jouer, je pense que ça prend vraiment des maths, là. Sinon, tu vas finir comme appliquer les modèles, le dernier BERT là, qui est sorti, puis that's it, là, t'sais. Puis tu vas te battre contre genre des génies à Google, que les autres ont déjà catché les maths, t'sais. Ouais, et puis qu'ils ont des ressources illimitées quasiment, Ouais, non? c'est ça. Fait que, t'sais, je pense que c'est vraiment un beau skill à avoir, t'sais. Il faut que tu sois capable de faire des preuves puis prouver la convergence des algos, et je le sais pas, je pense pas, mais faut que tu aies un bon feeling, t'sais, en maths, là. Ok. Puis, quel autre skill que tu rajouterais, toi, mettons? Informatique, maths, t'en as-tu un autre que tu rajouterais? Business thinking, analytique, ben, c'est assez lié quand même, là. Ouais, c'est un bon point. Tu sais, je pense que quand tu dis business thinking, en fait, c'est plus de comprendre c'est quoi le problème pour vrai. Tu sais, de dire c'est quoi qu'on essaie de faire ici, là. Tu sais, puis ça va te permettre d'avoir des intuitions sur les chemins à accéder. Tu sais, des fois, mettons que tu comprends pas c'est quoi le besoin client au final, mais les expériences que tu vas faire, mais peut-être ça va être celle que ton professeur va te dire ou whatever, mais peut-être tu vas avoir mal compris ce qu'il veut, puis tu n'arriveras pas à une solution, puis ça va être plus long. Fait que, tu sais, des fois, je pense pour arriver plus vite à une solution, à une bonne solution, mais je pense qu'il faut avoir, oui, cet esprit-là, le business thinking, dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis c'est quoi vraiment l'application concrète, puis d'être capable de trouver les métriques qui vont te prouver ou non si cette application-là fonctionne. Ouais, définitivement. OK. Fait que pour les skills, ça fait pas mal de tour. Là, c'est quoi les plans après ton doc? Ouais. Enseigner, travailler? Enseigner. Moi, je pense pas retourner là, dans une business là, OK. de sitôt. C'est sûr que c'est vraiment intéressant la position qu'on a comme chercheur à l'université en AI actuellement. C'est comme être vraiment à la bonne place au bon moment. Ouais. Disons que ça clash un peu avec ce que j'avais dans mes anciennes expériences. Être à la bonne place au mauvais moment. Là, t'es à la bonne place au bon Je moment, pense que là. c'est la bonne place au bon moment. T'es dans le bateau d'or, mettons, là, Ah ouais, présentement, c'est le là. bordel bien raide, là. Tu fais juste appeler tout le temps et dire Hey, Ouais. peux-tu venir m'aider sur ce projet-là? Je vais te donner 1 000 milliards de dollars. Tu dis ah non, moi je suis juste pour la vertu, je peux pas prendre ça. Non, mais le point, c'est juste, il y a des offres qui pleuvent sans arrêt, tu sais. Fait peut-être qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'on va se pogner une gang, puis on va dire, on fait-tu la consulte, puis on va régler des problèmes en entreprise, puis faire de la recherche, faire de tout ça, tu sais. Fait que, d'après moi, c'est même que ça va finir, mais ultimement, moi, ce que je veux faire, c'est carrément de l'enseignement, tu sais. OK. Voir comment qu'on amène les cohortes d'actuaires de demain à faire du meilleur machine learning slash data science, là. OK, tu veux plus te concentrer, mettons, encore sur l'école d'actuariat, finalement. J'aimerais ça. OK. Parce que quand tu changes de domaine, tu mettons assez tard dans ta bête, assez tard. T'sais, que tu fais un changement de carrière, ben, il faut que tu sois capable de leverager toutes les forces que tu as. Sinon, tu vas juste te battre contre des jeunes étudiants qui sont vraiment plus. Ouais. Qui ont plus d'énergie que toi. Fait que toi, il faut que tu réussisses à trouver la place que ton énergie va valoir plus cher. T'sais.
Fait que tu sais, l'actuariat, je veux pas, j'ai un certain background qu'il faut que j'exploite. Fait travailler à l'école d'actuariat, mais je suis capable de partager mon expérience, je suis capable de comprendre comment ça marche, puis je suis capable aussi de peut-être leur amener les problématiques d'une certaine façon, ce qui va mieux les comprendre que si c'est un professeur d'informatique pur et dur, tu sais. Ouais. Ah, ok, c'est intéressant. Puis. Oh, j'avais quelque chose, je voulais. J'ai oublié ce que je voulais dire. On va changer de sujet. Donc là, tu veux venir plus enseignant. Attends, c'est cool. Merde, j'avais une bonne idée, esti, en plus. Ah, je l'ai oublié, excuse-moi. Là, après le doc, tu veux plus être enseignant. Parfait. Puis. Je sais plus, j'essaie d'en faire le chemin, puis je me rends pas. Excuse-moi. J'avais une question que j'avais pensé au flanc quand tu m'as parlé. Là, après tout ça, mettons, comment tu te projetterais en termes de ton projet, genre, mettons, là? À quoi tu penses que ça va aboutir? Penses-tu que ton doc va te prendre 5 ans, 6 ans, ou comment tu vois l'aboutissement de ça? Ouais. Puis comment, mettons, tu t'en, je recule un petit peu, là, mettons, dans ton quotidien, comment tu penses utiliser, qu'est-ce que tu as tout appris pour réussir à accomplir, qu'est-ce que tu veux faire? T'sais, t'as quand même, tu viens de me parler de ton leverage, mettons. Comment tu vas arriver à utiliser tout ça pour finalement, tu sais, c'est quoi ton raisonnement pour réussir à faire un paper, tu sais, mettons. Là, j'ai pas mal, on dirait qu'il y a quatre questions là-dedans, là. Tu sais, mettons, mais tu vois la zone où je vais aller, là, à peu près, là? Non? Ok, all right. Je vais la définir mieux. Attends, je vais faire le petit carré de sable, là. Non, mais tu sais, mettons, une première question serait, c'est quoi que ton raisonnement quand tu veux faire la recherche? C'est quoi ton mindset, si on veut? L'autre, ça serait quoi? Comment tu penses utiliser le leverage de caisse de tes compétences antérieures pour réussir à accomplir ton objectif futur? Puis, comment tu te projettes à travers cet environnement-là? Tu sais, là, tu l'as dit un peu, tu l'as enseigné un plus à l'école d'actu, mais tu sais. Mais dans le fond, tu sais, mettons, moi, je suis pas encore un rechercheur. Tu sais, j'ai pas, comment je te dirais bien ça? Le doctorat, la seule affaire à quoi ça sert, c'est de t'apprendre à comment faire de la recherche. Fait que, tu sais, je serais vraiment drôle de dire, ah, moi, je suis au doctorat, je suis une kingpin de la recherche. Non, genre, probablement qu'Étienne, il est pas mal plus une kingpin que moi, Luc, puis Thierry. Tu sais, c'est des profs, eux autres, ils savent un peu mieux que moi comment la faire, cette recherche-là. Fait que moi, j'arrive avec pas d'outils, mais je suis là pour apprendre. Fait que c'est ça qui est bien. Fait que, comment que je fais, par exemple, pour utiliser mes skills? Ben, je pense que actuellement l'actuariat, c'est une belle zone, c'est un greenfield, selon moi, dans le ML, là. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de compétition. On est capable de trouver des beaux use cases, puis les rapper en mathématiques. Fait que, on fait du machine learning, on prouve quelque chose, puis on fait un paper avec ça. Fait que, tu sais, comment je vais utiliser ma force? Ben, c'est carrément ça. C'est de suivre dans l'actuariat pour aller jouer dans le greenfield, puis on est présentement là-dedans aussi, dans un autre projet, là. Fait que, tu sais, je pense que pour les prochaines années, on devrait aller là-dedans. En tout cas, moi, je vais aller là-dedans au moins pendant 15 Beaucoup, genre finalement, de ramener machine learning en actuariat, ans. finalement. Ouais. Mais tu sais, c'est une approche qui est tout le temps payante, d'utiliser des affaires qui ont été faites ailleurs, puis de faire des papers dans un autre domaine. Le meilleur exemple, c'est Black Scholes, tu sais. Le gars, il a juste pris des affaires en physique et dit, oh, ça a l'air vraiment cool, ces affaires-là. On va mettre ça, ses actifs. C'est prix Nobel. D'où? J'en veux un aussi. Ouais, non, c'est effectivement, c'est un bon point de finalement, tu veux prendre deux domaines puis les fusionner. Ben, pas les fusionner ensemble, mais les rapprocher. Tu sais. Dire, hey, on pourrait pas partager, mais on pourrait collaborer plus ensemble, puis ça serait payant pour tout le monde. Tu sais. Ok, Ça prend intéressant. une bonne connaissance, je pense, des deux domaines pour réussir à Oui. faire ça. Ce qui est actuellement pas quelque chose qui pleut à appel, là. Surtout pas dans l'académique. Parce que, comme je disais tantôt, tu te fais, t'sais, si tu dis que tu fais du AI, là, tout le monde est prêt. Ouais. Fait que, t'sais, tu peux pas réussir à rester dans l'académique parce que c'est sûr que tu vas faire un offre genre. Dérisoire. Genre, regarde, je vais te donner 350 de l'heure, là, tu sais, puis Viens-t'en chez nous, là. viens chez nous, là, tu sais, fait Mais c'est que ça, justement, c'est non. c'est ça ma question, là. Je viens de repenser à ma question, je l'ai. Comment tu arrives à manager justement le fait que tu es sollicité quand même de façon quotidienne, à peu près, sûrement sur LinkedIn, là, puis les groupes comme ça, là? Je sais que tu m'as déjà dit que tu as reçu des courriels de gens qui sont comme, hey, on est une startup, on cherche quelqu'un qui a ton profil, genre, on veut que tu sois VP finance ou quelque chose comme ça, là. C'était quoi, c'était VP? C'est acteur désigné, là. Actuaire désigné, c'est ça, acteur désigné. C'est Mais quand même hot, c'est cool. c'est vraiment cool, c'est valorisant pour toi, mais comment tu arrives à dealer ça ou à leverage ça, peut-être pour ta carrière future ou ta carrière, il y a quelque chose à faire avec ça, là? C'est une discussion que j'ai eue un moment donné avec un autre doctorant qui avait le même profil un peu que nous autres, là, t'sais, vraiment entrepreneur, t'sais, qui aime les projets, pis t'sais, qui a la gros, qui a quand même la drive, là. Puis lui a refusé quelque chose de gros aussi, puis il a dit, ben, c'est parce que le doctorat, ça reste à moi. Une job, c'est pas à moi, cette job-là. Fait que tu sais, c'est. Dans le fond, le but, c'est finis ton doctorat parce que ça, c'est tout ce qui va te rester à la fin. Tu sais, un emploi, après, tu vas le perdre. Oui, tu feras l'expérience, mais c'est le cas. Fait que tu sais, moi, je me dis, ben, comment je fais pour dire oui ou non à ça? C'est.
comment que cette étape-là m'aide à atteindre le but que je finis mon doctorat plus sacré. OK. Le but, c'est vraiment finir le doctorat. Parce que après ça, je vais pouvoir prendre des offres, j'aurai rien d'autre à faire. Mais là, c'est vraiment focus là-dessus. Puis si c'est. Tu sais, tu dis, j'ai pas d'avis de recherche. Ça pile pas sur le core set d'éléments que je veux, ben, tu dises non à ça. Parce que tu vas juste te ralentir. Oui, tu vas en faire plus, mais plus lentement. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que tu es mieux de faire, encore une fois qu'expertise, tu es mieux genre de mettre tout de côté, de t'en les affaires, mais de te focusser genre sur l'affaire, Le main core. le main core qui est payant. OK. Qui a dit ça? C'est Atara L, un gars en agroalimentaire. Je l'ai-tu déjà rencontré? Je pense pas. OK. Il est vraiment cool, ce gars-là. Puis c'est un gars qui fait quoi? Il fait du ML aussi, à peu près? Non, lui, qui, dans le fond, là, il y a du monde brillant à l'université. Ouais. Puis lui, ce gars-là, il a fait de l'agroalimentaire, puis il est venu me voir parce que je donne le cours de BD avancé, puis il a dit, ouais, moi, j'ai un Ah oh problème, oui, là. tu m'en as déjà parlé, je pense. J'ai besoin de faire un TFDF, puis je sais pas trop. Là, t'sais. Là il avait, lui, il m'a montré sa pipeline, là. Mais c'était une legit pipeline de NLP, mais le gars, il sait même pas faire du Python. C'est juste genre, il a pris tous les tools qu'il avait, là, puis il a lu sur Internet comment faire son affaire, puis à la fin, il était capable d'avoir une analyse qui était quand même décente de son use case. Pour quelqu'un qui n'a pas fait ça, genre qui n'a pas été là-dedans, c'est quand même Ah, très hot, là. Mieux que ben du monde qui travaille là-dedans, ouais, là. c'est ça, là. Puis tu sais, le gars, il a pris ça sur le tas, puis il est hot, là. Mais puis j'ai collaboré avec, on a fait une couple de solutions, puis, OK? mais il a fallu que je dise, c'est plate, je peux pas collaborer avec toi, parce que plus longtemps, ça C'est n'amène pas ça. à la recherche, mais c'était tellement le fun, c'est un super cool projet là, ce qu'il faisait là. Ouais. Mais c'est ça qui est triste, genre, tu sais, il y a tellement des beaux projets que tu as le goût d'embarquer, mais si tu veux bien faire de quoi, puis vraiment comprendre, puis aller loin, puis pousser le projet, ben tu peux pas dire oui à tout. Non, ouais. Fait que tout j'ai de dire non, malheureusement. Là. À peu près à tout, ouais, À peu près à tout, c'est ouais. Comme vraiment. 99,9%, là. Ce qui est triste. Mais ça m'amène à la dernière chose parce que tu travailles avec Québec Nat, c'est ça? Là, parce qu'on se connaît, je le sais, là, t'as commencé quand même assez jeune à faire de la programmation. T'as fait un site web, t'as monté, t'étais initié assez jeune à mettre c'était des reviews de jeux, me semble, hein, c'est Exact, ça? c'est ça. Que t'avais monté ton site web, mais tu sais, t'avais pas de versionnage, fait que finalement, il fallait toujours te remonter tes pages web parce qu'à un moment donné, tu les fait mettre à terre, hein, je pense, c'est ça? Ouais, ben c'est que mon père avait une compagnie d'internet dans le temps. Fait OK. que j'avais accès, mettons, à des serveurs, avec. Fait que c'est comme ça que tu t'es initié à Ouais. cet univers-là. J'ai travaillé longtemps chez lui aussi, faire du service OK. technique, là. OK. Fait que, tu sais, puis là, ben, je parlais tout le temps au monde qui faisait du réseau, puis là, ben, il y avait quelqu'un qui me dit, ah, je vais monter un serveur, fait que là, ok. Là, fait que là, crème, je viens de penser à ça, puis la première fois que j'ai touché une commande Linux, j'avais peut-être 12 ans, tu sais. Quand même. Legit, là, on montait un serveur HTTP, des mails, puis tout, fait que c'était quand même cool. Fait que oui, j'avais un site web de jeu que j'hébergeais moi-même, puis en effet, c'est moi qui hébergeais moi-même mon serveur, fait que j'ai pas fait de versionnage. Le Git système de n'existait pas dans ce requêtes. temps-là non plus, il me Git semble. Il me semble n'existait qu'on en pas. avait regardé l'autre fois, Non, puis Git Git n'existait n'existait pas à pas, ce c'est moment-là, t'as ça. raison. Il y avait son ASVN, mais en tout cas, ça pour dire, j'étais pas conscient que un ordinateur, ça pouvait failer. Ouais, un disque dur Parce aussi, que là. c'est vrai. Ouais, fait que c'est le disque dur qui a pété. Puis, en tout cas, ça m'a permis de tout le temps pouvoir recommencer mon site avec des nouvelles features cool. Ouais. Puis là, c'est comme ça que tu es ici, puis tu as commencé à travailler pour faire tu fais un petit peu de consulte informatique, comme ça que tu appelles ça? Dans le fond, c'est peut-être là que le business thinking vient dans le skill set que je te parle. C'est que moi, j'avais été engagé par Québec Nat pour. Ben, ça faisait 5 ans que j'étais sauveteur-là, puis je voulais un peu plus de responsabilité, fait qu'ils m'ont emmené dans les bureaux. Ben, j'entends moi, c'est toi qui s'occupe de faire les payes, puis c'est toi qui s'occupe de trouver les sauveteurs pour mettre ses piscines. Mais là, il y avait des fichiers Excel. Tu sais, tout était géré avec des fichiers Excel. Tu sais, je suis le pire avec des fichiers Excel, là, parce que, mettons, j'ai des gros doigts, fait que, tu sais, CTRL-C, ça fait copier, puis CTRL-V, ça fait coller. Mais je sais pas si vous savez, mais CTRL-D, là, ce que ça fait, là, c'est que ça copie la cellule de gauche dans la cellule de droite. C'est assez proche C puis D, là. Fait que, Ouais. le nombre de fois que j'ai chié des horaires solides, là, quand je me suis trompé dans mon copier-coller, là. Puis, tu sais, ben, à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est fini, le fichier Excel, là. Alors, ce que j'ai besoin, là, c'est un horaire. Puis, ça me prend un logiciel qui me fait des horaires. Fait que là, j'ai commencé à faire un petit logiciel, faisais des horaires. Je me suis dit, ouais, mais là, si ça me prend des horaires, ça me prend des clients. Fait que là, j'ai fait des clients, des employés, des horaires. Fait que là, c'était quand même cool. Mais je me suis dit, hey, Chris, on préfère la facturation d'une shot avec ça. Puis là, à un moment donné, ce logiciel-là, est devenu comme une app monolithique. Mais tu sais, c'est moi, dans le fond, tout ce que je faisais, c'est que je me sauvais de la job. Dans le fond. À la place de travailler 40 heures, 80 heures par semaine, oui, parce que c'était comme genre vraiment lourd comme job. Mais finalement, on faisait des semaines de 30 heures. Fait que tu sais, Okay. c'est le même, tu sais, qu'avec Nat, j'ai monté leur logiciel. Puis 15 ans après, j'étais encore dedans. Puis t'es encore dans le monolithe là. Ouais, là, c'est ça. Là, le monolithe, faudrait que je le casse, là, parce que, disons qu'il y a des meilleures solutions, puis ça ne scale pas super bien. Mais la business, tu
sais, elle a pris un zéro dans les chiffres d'affaires, là. Tu sais, un zéro du bon bord, tu sais, ça a comme... Ouais, c'est ça, parce qu'ils ont été capables de scale up, ouais, finalement, en termes de délivrer des horaires et des trucs comme ça. Là. Ouais, mais c'est parce que si tes gens sont plus productifs, puis tout, ouais, les ouais. Manuels, ils ont automatisé, ben, je veux dire, ils sont capables de faire de la valeur pour... Ouais, ce qui ramène toujours comme au point qu'on a discuté au début, qui est de dire c'est important d'automatiser ces processus à quelque part, là, tu sais. Ouais. Surtout, tu sais, je pense qu'on a la chance en machine learning aussi, souvent, tout ce qu'on fait, on part from scratch. Fait qu'on est aussi bien de le faire, tu sais, from scratch, good, que de le scraper, ouais, tu sais. Mais fais attention, tu sais, automatiser pour automatiser, c'est un peu dangereux, là, parce que avant d'automatiser, il y a une étape qui est importante, c'est le dérisquage. Puis ça, dérisquer, là, c'est dire comment que je fais pour enlever toute obligation d'avoir une décision humaine, genre reliée à du jugement. Fait que tu sais, autant que ce soit le dérisquage, peut être aussi d'avoir une interface graphique, des trucs comme ça. Comment tu fais pour enlever tous ces morceaux-là, puis dire, ben, j'automatise pas quelque chose que je vais chier dans une semaine. Tu sais, c'est OK, je vais essayer le processus, je comprends de A à Z c'est quoi les enjeux, je comprends c'est quoi les problèmes potentiels qu'il peut avoir. Puis à ce moment-là, tu automatises. Fait que oui, il faut bien faire du premier coup. En même temps, si tu sur-ingénieries ta solution, ouais, ben, tu vas peut-être utiliser 10% de ce que tu as fait. Fait que tu sais, il faut vraiment faire attention. Moi, mettons comment je travaille, là, c'est que je vais faire la première ligne, elle va être tout croche. Mais je vais me rendre du point A au point Z le plus rapidement possible. Pour dire, c'est quoi les risques potentiels que je vais avoir, ou c'est quoi mon dataset, ou ce qui va casser. Genre, c'est quoi les bugs que je vais avoir que je suis pas au courant dans mon processus. Puis une fois que je suis arrivé à la fin, ben là, je sais que ça marche. Fait qu'après ça, c'est de retourner en arrière. Quand j'ai besoin de faire une autre analyse, ben c'est quoi le morceau qu'il faut que je généralise pour réussir à le pousser dans le prochain. Fait que c'est tout le temps ça. À un moment donné, tu finis que ta pipeline est bien clean. Puis, mais tu l'as dérisqué au fur et à mesure avec l'expérience que tu avais. Tu sais, je pense pas qu'il faut que tu sautes dans du code et dire je vais le faire beau la première fois. Oui. OK. Oui, définitivement. Mais tu sais, tu peux. Oui, non, je suis d'accord. Ah, ben, c'est peut-être. Dire, c'est pas comme. Ah, ben, je vais appeler mes variables date, puis date 2, date 3, date 4. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un cadre. Un cadre, c'est ça, à travailler. Mais tu sais, de bien faire, c'était. Je voyais un peu plus comme. J'essaie de faire du code clean plus au début, mais. Effectivement, des fois, j'ai de la misère, ça fait en sorte que j'ai trop généralisé, puis je suis genre casse. Ouais. Moi, c'est un problème que j'essaie justement de gérer, que des fois, je vais vraiment trop loin, j'overthink, puis là, à un moment donné, ben, c'est souvent lui qui me ramène, dit non, recule un petit peu en arrière, là, puis là, ça n'a pas de sens ce que tu fais, puis là, je suis comme, ah, t'as raison, là, tu sais, je suis allé tout vraiment trop loin, là, mais c'était un des problèmes que j'essaie de gérer, de justement, je pousse te balancer d'autre bord, là, tu sais, vraiment dans le tapis, là. Mais c'est quand même top de trouver cette espèce d'équilibre entre genre, je veux faire quelque chose que je peux produire assez vite, mais que j'ai quand même quelque chose de bien généralisé ou bien clair, tu sais, comme cette espèce de dilemme-là entre les deux, de genre, je veux produire vite, mais je veux de la qualité aussi, tu sais. C'est vraiment, je pense que c'est un dilemme à vie, là. C'est un problème que. Ouais, ouais. Mais c'est un beau problème en même temps, tu sais. C'est le fun, non? Parce que ça te force tout le temps à réfléchir. Il n'y a pas de one size fits all solution, là, dans ce problème. Ouais. Fait que ça te force tout le temps à réfléchir de voir comment que. Ce dataset-là, je l'amène. Comment je traite cette affaire-là? Puis, mais je pense que c'est des réflexes que tu acquiers avec le temps. Tu sais, mettons, mm-hmm. Tu sais, comment je te dirais bien ça? Dernièrement, tu sais, j'avais besoin de travailler avec deux datasets. Genre. Tu sais, j'avais deux datasets, il fallait que je compare un puis l'autre. Mais, puis mettons, je travaillais avec un autre étudiant que lui, il avait splitté le dataset en deux. Il y avait deux processus distincts qui créaient ce dataset-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait du copier-coller. Mais à un moment donné, tu te dis, t'as peu, si je crée deux datasets, j'ai juste le droit d'avoir un processus, puis il faut que je généralise les morceaux qui vont me permettre de créer les deux datasets sans que je change rien dans mon code. Mm-hmm. Fait que tu sais, peut-être la ligne est là, tu sais, c'est comment tu fais pour minimiser les impacts de ton changement de code pour avoir une nouvelle expérience. Mm-hmm. C'est peut-être tout le temps réfléchir comme ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant ça. Mais tu sais, c'est pas parfait. Là, oui, non, mais tu sais. Mettons des fonctions, là. Mettons que tu fais une fonction, là. Ben, pas dataset 1, dataset 2. Ah, ça, c'est un problème. Ouais. Fait que tu sais. Dataset 3, dataset 4, ça finit juste plus. Clairement, tu sais qu'il faut que tu mettes probablement un array de dataset. Mm-hmm. Puis, dans ta fonction, là, tu vas y réfléchir en fonction plus fonctionnelle ou en comment tes itérations tu vas les faire. Mais la recette pour en faire 2 ou 4, ça va être la même. Mm-hmm. Ben, c'est pour être capable de scaler, finalement. Ça, ben, rendu là, maintenant, ben, elle a dérisqué ce morceau-là, tu sais, je sais plus. Ouais. Quel cours tu penses, toi, qui... non, je veux pas de quel cours. Quelle lecture que tu as faite qui pense qui t'a amélioré le plus ta qualité de ton code ou de ton compréhension de comment bien résoudre un problème de façon informatique? Il y a le fameux livre de Design Pattern, là. Ça, c'est... At First in Design Pattern? At First, là, il est super facile à lire. C'est pas comme l'affaire qui donne mal à la tête, là, comme Design Pattern de Goff, là. Game of War. Ouais. Il est lourd, ce livre-là. Lourd. Là. Je comprenais les patrons de conception. Ben, je pensais comprendre les patrons de conception. Tu sais, j'avais une compréhension quelconque. J'ai lu Game of War,
j'ai arrêté de comprendre les patrons de concession. Fait que, tu sais, clairement, c'était soit pas au bon niveau, mais c'est parce que leurs exemples sont très denses. Puis, c'est dans, ils font des exemples avec un text reader, je me trompe pas. OK. Puis, c'est comme c'est soit du RTF ou du TXT. Tu sais, le use case s'applique tellement plus aujourd'hui que c'est difficile à comprendre la pertinence de leur patron. De se rattacher à ça, OK. At first, ce qui est vraiment bien dans ce livre-là, c'est que c'est des use cases qui sont complètement absurdes. Mettons, tu as une pizzeria à New York. Tu veux scaler tes pizzerias pour avoir une pizzeria à Boston. Sauf que c'est les mêmes ingrédients, sauf que tu n'as pas les mêmes temps de cuisson. Fait que c'est quoi le patron de conception qui te permettrait d'avoir les mêmes ingrédients? Ah ben là, ils vont dire, ben c'est une factory. Ah ben oui, ok. Fait que là, tu es capable de faire des parallèles, tu sais, sur okay. quelque chose qui est plus facile. Tangible, c'est... Ouais, ouais, ok. Fait que tout ce qui est stratégie, tous les, voyons, les observeurs, tous ces patrons-là qui sont théoriques, mais ils viennent très pratiques, puis comme dans un contexte autre, puis t'es capable de comme voir ben, les interactions que j'ai avec les autres, c'est quoi ce genre d'affaires-là, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment le fun, ce livre-là, il est vraiment, vraiment bien, puis ça te permet de voir que des constructions qui sont déjà adaptées à ce que tu essaies de faire. Ouais, c'est ça, tu sais, je me semble que c'est toi qui m'avais dit ça à un moment donné, à peu près tous les problèmes en informatique ont déjà été résolus, c'est juste que tu connais peut-être pas la façon de le faire, mais c'est pas de réinventer la roue, là, tu sais, il y a des gens qui ont fait ça pendant 30 ans de carrière, puis que là, ils disent, hey, c'est ça, c'est la meilleure solution dans ce genre de problème-là, tu sais, c'est la meilleure approche à prendre plutôt, tu sais, comme, ben, prends la don, tu sais, ouais, ouais. Au lieu d'arriver avec ta roue, toi, en duct tape, ben, prends donc la roue à côté, genre, qui est comme peut-être comme faux, puis mets la don à ta pièce, tu sais. Je pense que c'est une approche qui est intéressante, mais c'est difficile d'être expert dans tous les domaines aussi. C'est un problème, mais je pense effectivement que c'est un bon livre. Je ne l'ai pas lu, moi, par contre, encore. Je sais que tu m'avais déjà recommandé de le lire aussi, mais c'est un livre que je pense qui est décidément... Ça fait plusieurs personnes aussi, Nick aussi en a parlé aussi, que c'est un bon livre, je pense, pour comprendre les règles. Ben, pas les règles, c'est pas le bon terme, mais tu sais, les patrons, les je sais plus comment il y avait traité ça. Un patron de conception, là, c'est que faut que tu comprennes c'est quoi le contexte de ton problème, mm-hmm. sans savoir si le patron s'applique ou non. Tu sais, c'est souvent ça la problématique. Avec, mettons, un patron de conception, si tu en connais juste un, tu vas tout le temps l'appliquer. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu en connaisses plusieurs pour savoir, OK, moi, ça, lui, je l'applique plus dans ce contexte-là, lui, je l'applique plus dans ce contexte-là. Il n'y a pas de recette magique, je pense. Mais je pense qu'au début, il faut que tu en connaisses au moins quelques-uns. Tu couches une coupe de recettes pour. Ouais. Si tu manges du spaghetti à soir, tu vas pas te faire des lasagnes. Ça ressemble, mais c'est pas ouais. la même chose. Livre en ML que tu as vraiment aimé, que tu penses qu'il fait un bon début ou mettons, un niveau débutant, un niveau intermédiaire. Ça fait longtemps que j'ai lu un livre en ML pour vrai. J'avais lu Data Science from Scratch. C'était quand même cool. Mais ça, c'était peut-être plus Data Science. Là. Ok. C'est quel celle-là? Ça, c'est O'Reilly qui l'a fait. Puis, c'est vraiment. Le gars, il pogne en numpy, puis il fait de la régression linéaire. Fait que, ça donne... Moi, je trouvais que c'était le fun parce que ça donnait des insights sur c'est quoi les paramètres que tu utilises. C'est bien beau fitter un classifieur logistique, mais c'est quoi les paramètres que tu vas mettre dedans? Comment ça marche? Moi, j'avais quand même aimé ça. Mais sinon, autre que ça, un bon livre de ML. Dans un cours que tu aurais lu ou un affaire de même? Plus je te dirais, dans le data engineering, ça, de ce temps-ci, ça m'allume pas mal plus. Là, OK. Ben, un livre que tu recommanderais de lire, mettons, ton livre de 2000, on est quoi, en 2019 cette année, là? Ouais, ouais. 2019, ton livre de 2019. Ouais, mais un livre de... En tout cas, moi, mon livre que j'ai vraiment trippé, là, dernièrement, puis c'est Building Data Intensive Application. C'est O'Reilly qui a fait ça? Pas sûr que c'est O'Reilly. Ah oui, c'est O'Reilly. C'est excellent. C'est la bible du data engineering. Fait que, tu sais, carrément... Okay. Comment ton application devrait se comporter, c'est quoi comment qu'une base de données s'est faite, c'est comment un index est fait dans l'ordinateur. Tu sais, il y a plein de morceaux aussi de réflexion sur comment que ta base de données devrait être distribuée ou comment que tu devrais faire en sorte pour que ton service soit tout le temps up quand tu as des applications qui ont besoin de beaucoup de données. Tu sais. OK, très cool. Donc, c'est très intéressant, puis ça reste très facile à lire aussi. Là. OK, parfait. Dernière petite chose avant qu'on ferme. Ouais. T'as-tu autre chose à dire? Non. Non? Ça fait le tour? Je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour? All right, c'est bon. Ben, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Puis en espérant peut-être une deuxième fois pour faire une suite de ça. Yes. Let's go, OK?